Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo. Vers de Terre Production s'engage pour la transition agroécologique. Merci d'être de nouveau là aux États généraux de l'agriculture alternative à Joigny, organisé par l'association Renaissance Joigny. Nous sommes là depuis hier matin pour essayer de voir comment est-ce qu'on transforme un territoire en allant dans le concret, et notamment en parlant de l'agriculture. Comment est-ce qu'on peut transformer le monde pour aller vers ce qu'on souhaite, je pense, à peu près tous, notamment survivre au réchauffement climatique, au dérèglement qui va avec et à l'érosion de la biodiversité. Mais aussi comment on fait en sorte de rendre le territoire habitable pour tous, que ce soit la biodiversité, que ce soit les humains qui le constituent, comment on soigne les ressources et comment on construit ça ensemble, parce que ça ne peut pas se faire autrement. Ça fait un jour et demi qu'on entend beaucoup de témoignages d'agriculteurs déjà installés, d'institutions qui ont des choses à nous montrer, à nous expliquer sur la façon dont on fait pousser les choses, sur les difficultés qu'on rencontre, sur les difficiles mises en conformité entre les envies sociétales et les possibilités sociétales. Là, on arrive sur cette table ronde qui va parler de la transmission et de l'installation. C'est bien sur trois agriculteurs qui partent à la retraite, je rappelle qu'il y en a deux qui ne sont pas remplacés dans l'Yonne. Et c'est comme ça assez largement sur le territoire français. Comment est-ce qu'on fait pour changer ça? Comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte d'avoir de quoi nourrir les territoires, que ce soit des légumes, que ce soit des céréales, que ce soit tout ce qu'on veut. Il faut nourrir les gens et pour l'instant, on va chercher souvent très très loin ce qu'il y a pour nourrir un petit territoire. Donc, vous avez ici tout plein d'intervenants qui vont se présenter les uns après les autres, qui vont vous parler de leur propre expérience ou de ce qu'ils sont censés représenter comme institution, comme organisation, qui font partie des solutions qui existent pour réinstaller de l'agriculture dans le territoire. Mais pas seulement. Donc, je vais commencer par quelqu'un qui est plutôt à l'aise avec ça, qui ne s'appelle pas Pierre, mais qui s'appelle Louis. Oui, c'est bon. Bonjour à tous. Donc, je suis Louis Tessier de la Fédération départementale des foyers ruraux de Lyonne. On est une fédération d'éducation populaire qui regroupe des associations qui œuvrent sur les territoires de Lyonne et de la Nièvre, qui ont pour vocation de participer au développement et à l'animation du milieu rural. Donc on anime différents dispositifs, mais très globalement, on accompagne les initiatives citoyennes qui souhaitent créer dans l'économie sociale et solidaire. C'est le métier sur lequel je travaille. L'idée, c'est de travailler avec les citoyens, leurs projets, et de les accompagner jusqu'à la création de leur activité. Et du coup, dans le cadre de cette activité-là, on constate qu'il y a de nombreux projets qui s'appuient sur une activité agricole, mais pour lesquels l'agriculture n'est pas forcément une finalité en soi. Donc je citerai quelques exemples tout à l'heure, mais c'est un pan de notre activité. On accompagne aussi les associations qui sont employeuses ou non, qui rencontrent des difficultés ou qui ont un projet de développement, et où là l'idée c'est de faire un diagnostic de la structure au moment donné pour voir avec eux quels sont les leviers sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour se développer, ou alors les freins qu'il faut lever pour se développer ou pour rester en vie, malheureusement. Et on accompagne aussi les territoires sur la mise en œuvre de démarches participatives, où là l'objectif c'est de réunir autour de la table justement potentiellement des élus, des techniciens, des associations, des entreprises, des citoyens, en faisant le pari justement que une réflexion collective permet de faire sortir des projets qui sont pérennes et durables sur les territoires. Et où là, la démarche, c'est vraiment d'analyser quelles sont les ressources qu'on a sur un territoire, quels sont les besoins qui ne sont pas répondus, et quelle est l'activité justement qui pourrait faire le lien entre ces besoins et ces ressources. Donc après, je vais parler un petit peu de ce que je connais du coup sur l'accompagnement des porteurs de projets agri-ruraux. C'est quelque chose qu'on constate. De nombreuses personnes viennent toquer à la fédération et souhaitent développer un projet qui s'appuie sur un volet agricole,
mais où la vente des produits agricoles n'est pas la finalité, ou alors n'est pas la majorité du chiffre d'affaires, si on parle en chiffres. Où on va trouver finalement une combinaison d'activités. Alors après, ça peut être avec des ateliers sur le jardin pour pouvoir transmettre sur les connaissances, pour pouvoir potentiellement créer des vocations, pour faire de l'insertion socio-professionnelle. Et en fait, on rencontre généralement des difficultés dans l'accompagnement de ces projets-là. Nous, Fédération des foyers ruraux, on est vraiment spécialisé sur l'économie sociale et solidaire, sur les fonctionnements des statuts, sur les fonctionnements en gouvernance, sur les différents partenaires avec lesquels on peut être amené à travailler, etc. Mais dès qu'il s'agit vraiment du domaine agricole, on arrive, on est un petit peu en peine en fait, parce qu'on n'a pas les compétences pour accompagner ce genre de projet-là. Et c'est un petit peu le constat qui est à la base d'une démarche qui s'est lancée au départ en Bourgogne et aujourd'hui en Bourgogne-Franche-Comté, qui est la démarche RARE, pour le réseau des accompagnateurs des agri-ruraux, où l'idée c'est de se dire, on a tous des compétences diverses, et les porteurs de projets ont besoin d'aller chercher ces différentes compétences. Nous, on va pouvoir accompagner sur le volet ESS, d'autres structures vont pouvoir accompagner sur l'installation, d'autres structures vont donner des ressources, etc. Et donc, on se rendait compte qu'il y avait un parcours du combattant. ESS. Ah, ESS, pardon. Économie sociale et solidaire. Je mettrai 1 euro. J'espère ne pas finir pauvre à la fin de cette table ronde. L'économie sociale et solidaire, c'est une économie qui est générée par des structures et qui est régie par trois piliers. Le premier pilier, c'est la gouvernance démocratique de ces structures-là. Premier pilier, du coup, la gouvernance démocratique, sur le principe de un homme égale une voix. Deuxième pilier, le fait de répondre à un enjeu sociétal, social, environnemental, ou n'importe. Et le troisième, pour le coup, c'est la juste répartition des bénéfices. Dans les structures de l'économie sociale et solidaire, on y retrouve du coup les associations, les coopératives, les mutuelles. On y retrouve aussi les fondations. Et aujourd'hui, grâce à l'agrément ESUS, des structures privées, type SA, SARL, etc., qui viendraient prouver leur fonctionnement démocratique, le fait qu'elles répondent à un enjeu social et la juste répartition des bénéfices. Et donc aujourd'hui, c'est tout ce microcosme de structures qu'on retrouve dans l'économie sociale et solidaire, qui représente environ, un petit peu plus de 10% de l'emploi privé en France. Et qui se développe au fur et à mesure que les enjeux sont de plus en plus importants. Pardon. Donc voilà pour l'économie sociale et solidaire. Globalement, la démarche RARE, voilà, après, elle sortait vraiment de nos difficultés à accompagner ces nouveaux projets et au besoin de se mettre en réseau pour pouvoir faciliter leur installation. Parce qu'il y a de nombreux enjeux en fait qui sont soulevés par ces projets-là. Les enjeux de statut juridique, les enjeux de statut sociaux, fiscaux. Et en fait, il y a vraiment besoin de mettre autour de la table toutes ces personnes qui ont des compétences différentes. Là, aujourd'hui, la démarche RARE s'est lancée dans une nouvelle phase. Alors, je vais peut-être... Il me reste combien de temps ? Oh, ça va. En gros, la démarche RARE, elle s'appuyait sur quatre piliers, originellement, qui étaient, est-ce qu'on est en capacité de quantifier et d'analyser ce mouvement des agri-ruraux qui arrive. Donc le besoin d'identifier et de recenser ces projets-là, d'une part pour pouvoir le valoriser, mais d'autre part aussi pour faciliter le partage d'expérience entre les porteurs de projets, aller chercher l'expérience à gauche à droite. Un deuxième volet qui était vraiment sur nos pratiques d'accompagnateurs. Alors j'ai oublié de dire qui faisait partie de cette démarche RARE, mais on y retrouve vraiment une multitude d'acteurs. On y retrouve Terre de Liens, on y retrouve Terre de Bio-Bourgogne, on y retrouve les chambres d'agriculture, on y retrouve Semeur du Possible, l'accueil paysan, la Fédé des foyers ruraux. C'est vraiment des acteurs de l'ESS, des acteurs du monde agricole. Et donc là, aujourd'hui, sur la démarche RARE, on est plus d'une quarantaine d'acteurs qui se réunissent pour réfléchir à ces questions-là. Donc c'est une démarche assez conséquente. 40 acteurs à quelle échelle ? À l'échelle Bourgogne-Franche-Comté, du coup.
Et donc, justement, on s'est dit, bah, comment est-ce qu'on fait pour améliorer nos pratiques ? À partir de là, du coup, on a défini des protocoles, ouais, c'est ça, pour dire comment est-ce qu'on se réunit à plusieurs autour d'un projet pour lui apporter toutes les compétences à un moment donné. Comment est-ce qu'on met en relation les uns avec les autres et comment est-ce qu'on fluidifie en fait très globalement le parcours de ces porteurs de projet. La troisième chose qu'on développe, c'est aussi pouvoir accompagner sur un volet territorial en fait ces dynamiques-là. Il y a un outil qui s'appelle le comptoir des initiatives qu'on a développé, qui permet de créer justement des animations collectives qui peuvent avoir plusieurs objectifs, mais d'entourer un porteur de projet qui vient s'installer sur un territoire et de l'entourer justement de porteurs d'agriculteurs qui sont déjà installés, de structures accompagnatrices, d'élus, pour voir comment est-ce que collectivement on peut se mettre au service de ce projet-là et l'aider à s'implanter territorialement. Ou alors une autre organisation qui est possible, qui est de réunir encore une fois un maximum d'acteurs autour de la table et se dire voilà les différentes activités qu'on a, voilà la cartographie potentiellement du territoire. Quelles sont les activités manquantes ? Quels sont les chaînons manquants justement sur ces questions de résilience et sur ces questions de... J'ai une toute petite question. Les agriculteurs vous aident à installer des non-agriculteurs qui ne vont pas être dans un modèle agricole classique sur leur territoire, c'est ça ? Oui. Bah, l'idée justement c'est de réunir toutes ces personnes-là, d'accompagner d'ailleurs le porteur de projet tant dans son installation professionnelle que dans son installation personnelle. Et du coup, justement, de créer cette interconnaissance entre le porteur de projet et les gens qui sont déjà installés, ça permet de casser certaines barrières. Et voilà, c'est un des objectifs de ce comptoir des initiatives. Et le dernier volet, du coup... Et voilà, il fallait qu'il m'en manque un, de toute façon, parce que sinon, c'était trop... Le dernier volet, c'est de créer une plateforme pour que les accompagnateurs puissent... voir quels sont les différents projets qui émergent, pour que les porteurs de projets puissent être directement en lien avec les différents accompagnateurs et puissent aller chercher des ressources. Et donc voilà ce sur quoi on travaille. Là, aujourd'hui, la démarche Aurare s'est lancée dans une nouvelle phase. On s'est dit, on a développé tous ces outils-là. Maintenant, c'est intéressant de développer l'accompagnement territorialisé. Et donc là, aujourd'hui, en tant que chargé de mission à la FEDE, je suis aussi là pour présenter la démarche Aurare qui va se lancer. On a le PETR Norion qui a signé une lettre d'engagement pour... Le PETR PETR le pôle d'équilibre territorial rural. Oui, c'est ça. Merci. Et donc, en fait, ces différents outils qu'on a commencé à développer et qu'on a testés et qui fonctionnent, l'idée, c'est qu'on commence à les territorialiser. Et donc, un collectif d'acteurs va se créer justement pour réfléchir à ces questions-là, pour réfléchir aux freins auxquels sont confrontés aujourd'hui ces porteurs de projets-là et comment est-ce que collectivement on peut y apporter des réponses. Et donc voilà, on va être animateur avec Bio-Bourgogne justement de cette démarche-là sur le PETR. Je redis PETR. Maintenant c'est bon, ça a été expliqué. Donc voilà. Ce que je peux dire aujourd'hui. Après, j'ai des exemples de projets qu'on a accompagnés, mais qui viendront peut-être au fur et à mesure des... Tu peux aussi dire, il y en a un qui est très emblématique, tu as encore 5 minutes pour en parler. Ok. Si tu veux. Eh ben, y a un projet qui est assez intéressant, dont certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler, qui est les lutins maraîchers, du coup, à Auxerre, où là, on a une structure qui est en EARL, il me semble. En EARL. Entreprise agricole à responsabilité limitée. Merci beaucoup. Cette structure-là fait du maraîchage sur sol vivant, vend ses productions sous forme de panier et développe aussi une épicerie pour pouvoir vendre des produits que des partenaires ont créé. Et sur ce terrain, du coup, qui cultive, ils accueillent aussi des IME, ils accueillent des écoles, des instituts médicaux ou éducatifs. Je savais que ça allait être pour moi ce jeu-là. Nous te remercions d'avance pour ton immense contribution. Et en fait, du coup, aujourd'hui, ils se retrouvent un petit peu bloqués sur la question du statut juridique pour porter tout ça.
Parce qu'on est sur une activité foncièrement agricole, qui est de production pour vente, mais à laquelle se greffent d'autres activités. Et c'est justement sur ces activités-là que se pose la question de quelle est la structure pour les porter. Est-ce qu'une structure associative pourrait être créée pour développer pour porter ces différentes activités? Et donc après, la question du salariat, du coup, de la personne agricultrice, elle se pose. Et donc là, la limite des statuts associatifs par rapport au statut agricole, notamment sur la question du temps de travail, etc., se pose. Donc c'est assez intéressant de se dire il y a ces démarches-là qui se développent. De plus en plus de projets s'appuient vraiment sur une activité agricole, mais en gros intègrent d'autres enjeux sociétaux sur leurs exploitations ou sur leur activité. Quels sont les meilleurs statuts pour porter ce genre d'activité-là et comment développer tout ça, quoi. J'ai une toute petite question. Les porteurs de projets arrivent individuellement vous voir ou ce sont souvent des collectivités ou des associations déjà existantes qui viennent pour vous voir ? Il y a de tout. Il y a des porteurs de projets déjà qui n'ont pas de structure actuelle, qui viennent nous voir en disant aidez-moi à structurer mon idée, à viabiliser mon projet. Et donc là, on les accompagne vraiment sur le long cours. Généralement, c'est des accompagnements qui peuvent durer 6 mois, voire plus. On a aussi des structures qui sont déjà existantes, qui viennent nous rencontrer parce qu'elles ont un projet de développement. Et après, on a tout un tissu partenarial, justement, avec des collectivités, avec des partenaires qui nous prescrivent justement des porteurs de projets ou des structures existantes pour bénéficier de cet accompagnement au long cours. Merci beaucoup, Louis. Ça va être assez évident, je pense, de rebondir en direction du GABI. Alors en fait, le GABI, qu'est-ce que c'est ? C'est le Groupement des agriculteurs biologiques de Lyon. Donc c'est un syndicat qui va venir défendre les producteurs biologiques sur le territoire et qui a son équivalent dans chaque département de Bourgogne et de Franche-Comté. Mais là, je ne viens pas forcément au nom du GABI, mais au nom de Bio-Bourgogne. Donc qu'est-ce que c'est que Bio-Bourgogne ? J'avais un support normalement qui doit s'afficher peut-être imminemment sous peu. Alors en fait, Bio-Bourgogne, qu'est-ce que c'est ? C'est une association qui va en fait promouvoir et défendre l'agriculture biologique sur tout le territoire de l'ancienne région Bourgogne. Nous travaillons avec donc l'Interbio Franche-Comté et nous sommes réunis sous donc une seule enseigne entre guillemets qui s'appelle la FRAB, donc la Fédération régionale d'agriculture biologique, qui elle-même dépend aussi d'un réseau national, la FNAB, la Fédération nationale d'agriculture biologique. Alors en fait, Bio-Bourgogne, on a 30 salariés répartis sur tout le territoire qui permettent justement en fait d'accompagner les producteurs dans leur installation et dans le perfectionnement aussi de leur exploitation agricole. C'est là que justement nos collègues du pôle technique vont intervenir. Et nous intervenons sur autant la grande culture, l'élevage, la polyculture, le maraîchage, la viticulture, la PAM, et on essaye aussi d'élargir autant que possible la PAM. Désolé, donc comme je vous avais dit, je vais payer cher ce soir. Donc les PAM, les plantes à parfum aromatique et médicinal. Donc on avait Christian Baquet qui était présent ce matin, qui en est un des producteurs et même un des rares producteurs dans le territoire. Donc si jamais il y a des porteurs de projets qui sont intéressés par ce mode de production, n'hésitez pas à venir nous voir. Donc là on a un pôle technique vraiment constitué d'une vingtaine de conseillers techniques, ingénieurs agronomes et de tout type qui vont accompagner de A à Z l'agriculteur afin de le rendre autonome et de pouvoir faire de lui un véritable chef d'exploitation. Le but c'est vraiment d'accompagner et c'est pas forcément de tenir la main de bout en bout. On a également un autre pôle, donc c'est le pôle filière et territoire dont je fais partie, et c'est là vraiment où c'est l'animation, la coordination des actions sur tout le territoire, tant l'accompagnement des projets alimentaires territoriaux, donc les PAT, je la fais à l'envers cette fois, l'accompagnement aussi de la mise en marché des produits biologiques, ça peut être avec au travers de magasins de producteurs, de points de vente collectifs, avec la Biocoop également. On fait également de l'accompagnement de projets des collectivités. Et également, comme vous pouvez le voir ici, en fait, on a pas mal d'autres actions et de communication grand public. Et l'animation des GAB est répartie dans ce pôle. À noter que depuis quelques années, en fait, on a également une chargée de mission restauration collective qui a pour but de permettre à des établissements scolaires d'atteindre les objectifs de la loi EGalim, donc la loi qui stipule qu'il faut désormais 50% de produits d'origine SICO, donc les signes officiels de qualité. Je te vois, t'inquiète. Je te vois. T'as pas défini EGalim.
Est-ce qu'il y a vraiment une définition à égalité? Non, personne ne sait. Mais voilà. Bon. Donc au final, on s'en sort. Donc 50% de produits issus de SICO et 20% de produits d'origine biologique. On peut passer à la diapositive suivante. Et là, je vais faire vraiment un focus sur donc, la transmission au sein du territoire bourguignon. Donc, une étude a été réalisée par notre chargé de mission qui charge des futurs bio. Donc, c'est un poste qui a été créé vraiment l'année dernière sur qu'est-ce qu'on fait des futurs cédants en agriculture biologique qui sont parfois sans repreneur. Donc, avant d'apporter ces chiffres, j'avais quelques chiffres en tête concernant l'échelon national. Alors, selon le CESE, donc le Comité économique, social et environnemental, le Conseil, bon, j'y étais presque. Du coup, qui a stipulé que d'ici 2026, 45% des producteurs seraient à l'âge de la retraite. Donc, on peut dire que d'ici 5 ans, la moitié des producteurs seront potentiellement disparus à l'échelon national. Et une autre statistique qui vient cette fois de l'OPA, donc l'Organisation professionnelle agricole, qui a indiqué qu'entre 2012 et 2020, il y a eu à peu près 11% de chefs d'exploitation qui ont disparu sur le territoire national. Donc autant dire que ce sont des chiffres qui sont certes un petit peu alarmants, mais ça révèle une véritable problématique de fond, que le monde agricole tend en fait à ne pas se renouveler et à avoir pas suffisamment de jeunes qui viennent s'installer, encore une fois, s'installer du coup dans le territoire. Alors, pour ce qui est de la Bourgogne, donc on a réalisé une enquête sur environ 83-85 participants. Et ici, on voit que donc en 20 ans, le nombre d'agriculteurs a baissé de 34%, que depuis 2010, 50 000 fermes ont disparu sur le territoire. Donc, ce qui peut laisser affoler, mais encore une fois, on n'est que sur le volet transmission. On n'a pas abordé l'installation dans son ensemble, sachant que c'est aussi une compétence qui est réservée à la Chambre d'agriculture. Et donc, d'ici 2026, donc 45% des producteurs pourraient cesser leur activité, et qu'on voit ici que, donc, en bas de cette diapo, que pour 3 départs dans le département et en Bourgogne, il n'y a seulement que 2 installations. Donc une tiers des exploitations sur le territoire ne sont pas reprises ou renouvelées. Ça peut partir à l'agrandissement, ça peut partir soit à la cessation d'activité. Les raisons sont assez multiples à ce niveau-là. Ici, on a à peu près donc, les différents OTEX qui ont pu être recensés. OTEX, donc orientation technico-économique d'exploitation, qui en fait, on a essayé d'avoir une vision aussi complète que possible sur le territoire. Donc, on est vraiment qu'au lancement de cette enquête. On n'a pas la vocation à dire que ces chiffres sont totalement représentatifs de ce qui se passe sur le territoire. Mais en tout cas, on a déjà une première vision. Donc, ici, on voit que c'est... sur les 83 personnes qui ont répondu, en fait, la moitié à peu près souhaitent être recontactées pour pouvoir discuter de cette transmission et travailler sur vraiment comment est-ce que je transmets ma ferme à un porteur de projet ou même des fois simplement, sans avoir de porteur de projet en tête, comment est-ce que je fais pour la rendre transmissible. Ici, on a une répartition en fait des orientations qui sont le plus ciblées et aussi du pas de temps en fait de transmission. On voit ici que 35% des exploitations vont être transmises d'ici 5 ans. Donc c'est un pas de temps qui est assez court et que justement à peu près, donc on a 30% qui sont un pas de temps de 5 à 10 ans et 35% de 10 ans ou plus. Donc tout ça pour dire en fait que transmettre une ferme, ça s'anticipe longtemps à l'avance. On ne peut pas arriver et dire que dans 2 ans je pars et je réfléchis à en fait transmettre une ferme. C'est limite se tirer une balle dans le pied parce qu'on sait très bien qu'il faudra beaucoup plus de temps avec toutes les démarches qui sont liées aussi à cette transmission. Il faut pouvoir anticiper, aller recruter des repreneurs le plus tôt possible et pouvoir aussi réfléchir à qu'est-ce que je veux transmettre. Excuse-moi, quand tu parles des démarches, pour ceux qui ne connaissent pas le monde agricole, qu'est-ce que tu évoques? Alors, parmi les démarches, donc je ne vais pas faire le détail complet de toutes les démarches, mais il faut aussi voir quels sont les droits à la retraite pour l'agriculteur. Il faut déclarer la ferme à transmettre, se rapprocher des organismes aussi compétents en la matière. Donc ça peut être les foyers ruraux, ça peut être Terre de Liens, pour justement trouver, si possible, un organisme qui va aider à la reprise. Il y a aussi, bien sûr, le dimensionnement de la ferme. Donc ça, c'est un travail qui prend facilement un an ou deux pour réfléchir en fait à la réorganisation de la ferme et le mettre en place pour le transmettre. Donc ça... Et le fermage, bien sûr, réfléchir aux baux qu'on va mettre en place. Il faut contacter les propriétaires des terres, parce que beaucoup d'agriculteurs ne sont pas propriétaires de leurs terres, ils sont seulement locataires. Donc ça, c'est une problématique aussi qu'il faut prendre en considération. Donc voilà, il y a une multitude
de démarches à faire avant de transmettre une ferme dont les agriculteurs n'ont pas forcément connaissance. Ça rend vraiment mal, en fait. Ça a été fait sur Apple. Ah bah c'est, ça m'étonne pas. Alors, donc ici on voit en fait la répartition des OTEX par pas de temps. On voit que en fait, dans la plupart des cas, ce sont surtout les fermes en polyculture élevage qui ont le plus de difficultés à être transmises. Donc sans surprise, dans le territoire de Lyon, on n'est pas un territoire d'éleveurs. On est historiquement un territoire spécialisé dans la grande culture. À la limite, les élevages se trouvent davantage dans la partie sud du territoire, avec la Puy des Forterres, le Pays Avalonnais. Mais en revanche, c'est toujours ces fermes-là qui subissent de plein fouet les crises actuelles et qui se posent la question, est-ce que j'aurai un repreneur, vu les questions qui se posent autour de l'élevage, dont on a pu discuter ce matin et hier aussi. Globalement, voilà, c'est la catégorie verte qu'on retrouve dans chaque pas de temps. Avec bien sûr aussi les questions de maraîchage et les grandes cultures qui sont un peu moins sujets à cette pression, car aussi, il faut bien prendre en considération que souvent, les grandes fermes en céréalières ont tendance à avoir un système de reprise dans la famille. Donc soit un enfant, soit une fille ou un membre de la famille proche ou éloigné qui vient reprendre du coup cette ferme. Alors après, c'est une tendance générale. Ce n'est pas forcément la vérité dans tous les cas, mais c'est une tendance. Alors ici, en fait, on rejoint... Punaise. Alors, je suis désolé parce que ça, visuellement, ce n'est pas terrible. Mais voilà, on va essayer quand même d'être assez clair. Donc là, en fait, ce sont tous les enjeux qui peuvent être identifiés sur le territoire. Les agriculteurs sont souvent en recherche d'associés. On a souvent des fermes avec un seul éleveur ou un seul céréalier qui, à un moment de transmettre, se dit « Est-ce que ce ne sera pas plus simple d'avoir un associé ?» et je transmets progressivement ma ferme à celui-ci. D'autre part, il y a aussi la recherche de personnes prêtes à travailler en collectif. Comme on l'a pu discuter autour de la biodiversité, ça ne se réfléchit pas à l'échelle de la ferme, ça se réfléchit à l'échelle d'un territoire beaucoup plus large et qu'il faut pouvoir anticiper toutes les synergies possibles avec ses voisins ou avec les collectivités. Donc travailler en collectif, ce n'est pas inné pour tous, certains vont être complètement rebuts à cette idée et ne vont pas pour autant aller dans des groupes de travail, donc dans des GIE, des groupes d'intérêt économique, et j'ai oublié le second E. GIE, des groupes d'intérêt économique et... Et environnemental. Merci. Vous suivez bien, c'est bien. Merci beaucoup. C'est bien. Alors ensuite, un autre point qui semble intéressant à développer, c'est aussi favoriser le test sur l'exploitation. Qu'est-ce qu'on entend par là? En fait, c'est permettre à des agriculteurs qui sont soit en conversion, soit qui ont l'idée de se convertir, de venir se tester sur la ferme avec les outils ou avec les cultures déjà en place. Donc ça, c'est quelque chose qu'on réfléchit déjà à l'échelle de la Bourgogne, avec Bio-Bourgogne et d'autres acteurs. Donc on pense à Terre de Liens, à Semoir du Possible, on pense à des espaces agricoles, donc les fameuses ETA, et d'autres systèmes qui pourraient également être intéressants, tels que le parrainage. On s'est rapproché également des lycées agricoles, notamment, pour travailler sur les défis transmission. L'idée, c'est en fait de permettre à des élèves de lycées agricoles, de BPREA, est-ce que je reprécise BPREA du coup? Oui, ça concerne beaucoup de gens, le BPREA aujourd'hui, brevet d'études professionnelles de... Responsable d'exploitation agricole. Responsable d'exploitation. Je cherchais. Voilà. Je vous ai dit, je paye cher ce soir. Et du coup, l'idée, en fait, c'est de permettre à ces élèves-là, justement, de pouvoir étudier la ferme dans son ensemble, d'un point de vue technique et économique, pour pouvoir vraiment comprendre quelle sera la ferme de demain et quelle est la possibilité de transformation de la ferme aujourd'hui. Donc, pour l'instant, ce n'est pas encore lancé officiellement, mais on espère que d'ici fin 2022-2023, on pourra lancer les premiers défis de transmission dans Lyon. J'ai juste une toute petite question par rapport à ça. C'est comment est-ce qu'on fait en sorte que des élèves tout juste sortis de l'école puissent reprendre l'exploitation? Ce temps, justement, sur l'exploitation, il serait pris en charge quoi? Par le monde scolaire ou par le monde professionnel? Il serait pris en charge par... Alors, est-ce que c'est la question dans le cadre du défi de transmission ou... En dehors de ce défi. Transmission ou installation, parce que tester une ferme quand on sort de l'école, ça c'est autant le faire pendant ses études ou après les études alors qu'on n'est pas encore salarié, enfin qu'on n'a pas encore de revenus. Comment on fait? Alors là, justement, c'est un format qui est encore à étudier, mais on pourrait réfléchir justement à avoir une période de tutorat, de stage en fin de cursus universitaire ou de cursus scolaire pour ensuite permettre à avoir un statut de salarié agricole ou même, pour ceux qui le souhaitent, aller encore plus loin, un statut d'associé. Mais encore une fois, c'est à co-construire et on n'est qu'aux prémices de cette réflexion.
Autre point qui semblait important pour les agriculteurs du territoire, c'est également en fait le besoin de développer la diversification des fermes. On l'a bien constaté sur le territoire, on a des fermes qui sont vraiment spécialisées dans un domaine, dans une filière ou une production. Donc ça aussi, c'est, on réfléchit. J'ai par exemple en tête un producteur qui cherche à céder sa ferme, pardon, qui est actuellement en grande culture. Et l'objectif, c'est en fait d'installer un couple de maraîchers sur sa ferme et de permettre à un autre, aux parties céréalières, d'être reprise par un exploitant agricole en bio. Donc encore une fois, il faut qu'on puisse respecter la philosophie et l'ambition du cédant. Alors, en termes de difficultés qu'on peut rencontrer, elles sont assez multiples. Et encore une fois, c'est trouver une personne sérieuse. Donc un projet agricole et notamment une ferme, c'est souvent le projet d'une vie. Pour les agriculteurs, ce n'est pas quelque chose qui est pris à la légère. Et malheureusement, on peut souvent tomber sur des personnes qui pensent, qui ont une vision un petit peu erronée de l'agriculture et qui peuvent vite lâcher l'affaire. Donc je me rappelle que hier, François nous parlait justement de sa vision qu'il avait quand il est arrivé dans le milieu agricole, qui en fait, il a réalisé plus tard que c'était un monde très compliqué qui avait des contraintes supplémentaires, qu'il n'avait pas anticipées auparavant. On a également aussi beaucoup de contacts non aboutis, donc des personnes, des projets qui viennent, qui donnent suite, mais qui derrière ne vont pas aller beaucoup plus loin ou qui ne donnent pas suite simplement pour des raisons diverses et variées. Parmi tous les critères qui ressortent ici sur cette diapo, vous verrez surtout que parmi les agriculteurs, c'est souvent le format même de la ferme qui peut être en fait compliqué. Les fermes peuvent être isolées, se retrouver, donc comme l'avait dit Monsieur Coves, qu'on peut avoir une oasis au milieu de beaucoup de projets conventionnels. Et la question se fait, mais en fait, est-ce que le porteur de projet va être prêt à prendre les risques, sachant qu'il pourrait être contaminé ou qu'il pourra être déclassé par la suite? C'est un risque à anticiper et ça peut refroidir certains agriculteurs ou porteurs de projet. D'autres points qui semblent intéressants, c'est aussi rajouter de la valeur ajoutée à la ferme. D'un point de vue économique et technique, c'est parfois compliqué au vu du bâti ancien, au vu du type de sol qui peut aussi être contraignant en termes de possibilités culturelles. Encore une fois, c'est un travail de longue haleine qui se discute bien en amont. L'enquête et le contexte national révèlent plusieurs éléments. On a un besoin d'accompagnement humain de l'exploitation. Sur la compétence technique et économique, on a de multiples acteurs, on a les chambres d'agriculture, on a les chambres du commerce, on a le CERF France qui peut être intéressant, on a Bio-Bourgogne sur le plan technique et sur les filières qui peut aussi se révéler pertinent. Mais l'accompagnement humain est clé vraiment dans la transmission d'une ferme et d'un projet de vie, autant pour l'installation aussi. D'autres points importants, c'est que les temps collectifs qui parfois étaient jalousés par les agriculteurs sont maintenant devenus prioritaires pour eux, car ils permettent de se confronter à la réalité aussi de ce qui se passe dans le territoire et de comprendre justement quels sont les tenants et aboutissants d'une transmission. Transmettre une ferme, donc je pense qu'Arnaud va en parler juste après, c'est quand même qu'il faut confronter les projets de vie de chacun, il faut confronter les opinions et la vision de chacun sur un monde qui est changeant, qui est très varié. On a pu voir déjà ce matin avec différents profils que l'agriculture biologique est un modèle qui existe, ce n'est pas le plus parfait, il existe d'autres modèles qui ont d'autres avantages, et que parfois ça peut engendrer des conflits, parfois stériles, ou qui nuisent à la transmission de l'exploitation, et qui rendent justement le renouvellement des générations très compliqué. En fait, vous avez un énorme rôle de médiation. Au final, c'est ce rôle-là, et aussi c'est faire comprendre des générations qui ne se comprennent plus, parfois. On sait très bien qu'aujourd'hui, il y a des générations jeunes qui ont besoin que tout vienne vite, que ça arrive rapidement, que le résultat soit là en moins d'un an des fois. Mais il faut comprendre que voilà, travailler le vivant, ça demande du temps, ça demande de la patience et qu'il faut quand même bien réfléchir à ça et se questionner sur l'intention de son projet. Merci beaucoup, Forestan, et merci pour ta contribution aussi. On a parlé deux fois déjà de Terre de Liens, et ce serait peut-être pas mal qu'Éric Beneteau nous décrive ce dont il s'agit. Effectivement, enfin, c'est bien d'intervenir après Florestan. Terre de Liens est tout à fait complémentaire. Enfin, on est sur les mêmes problématiques que Bio-Bourgogne. On est tout à fait en complément. Seulement, Terre de Liens, globalement, est vraiment s'appuie sur la mobilisation citoyenne. C'est la grande idée de base de Terre de Liens, qui est née en 2003 d'une réflexion, on va dire, entre plusieurs acteurs liés à la finance éthique,
Tout le monde a entendu parler de la NEF, par exemple, qui est, la banque... Ce n'est pas un acronyme. Je crois, mais je ne pourrais pas. Ça te coûte un euro. Nouvelle économie fraternelle. Merci Bruno. Et donc du coup, la finance éthique, l'éducation populaire, les mouvements ruraux, certains mouvements ruraux, l'agriculture biologique et biodynamique et de simples citoyens qui se mobilisent ensemble, qui ont réfléchi à un système, un modèle pour enrayer la disparition des terres agricoles, toutes les problématiques dont Florestan vient de parler, la disparition des exploitants agricoles, le manque de transmission familiale, et tous les néo-ruraux aussi, les gens qui veulent s'installer et qui ont du mal à s'installer, qui ont du mal à trouver la terre. Et en face, des gens qui veulent transmettre leur terre, qui n'ont pas les repreneurs. Et du coup, voilà, comment on fait pour pallier à ce problème? Eh bien, ces acteurs-là, en 2003, il y a presque 20 ans maintenant, eux imaginent une solution potentielle, innovante, qui s'appuie sur le citoyen. Et une grande idée, noble, qui est que la terre peut redevenir un bien commun. C'est-à-dire que la terre appartienne à tout le monde. Donc un peu révolutionnaire, une idée révolutionnaire, on met de côté l'idée qu'on est propriétaire terrien, on essaye d'avancer là-dedans et que tout le monde puisse être propriétaire et du coup installer les agriculteurs, des jeunes surtout, des gens non issus du milieu agricole et qui puissent accéder à la terre, mais que cette terre puisse être acquise et donc être la propriété de tout le monde. Voilà, c'est la grande idée. Après, concrètement, ces gens-là réfléchissent pendant 3 ans et ils créent du coup une structure qui permet de concentrer des fonds issus des gens, concrètement des actions, c'est-à-dire que les personnes, les citoyens prennent des actions pour acquérir les terres agricoles et les fermes. Donc, acquérir les fermes. Et voilà, donc ça c'est la grande idée de base. Et après, ça va plus loin. On dit, oui, mais en mobilisant les citoyens eux-mêmes pour acquérir ces fonds. Donc en mobilisant des bénévoles sur les territoires qui vont identifier, effectivement, accueillir les porteurs de projets qui ont identifié une terre qu'ils veulent acheter. Ils n'ont pas les moyens, ils font appel à Terre de Liens. On mobilise les citoyens pour prendre des actions, avoir les fonds pour acheter cette ferme et devenir propriétaire, sans limite de durée. C'est-à-dire qu'on sort réellement les terres de l'accaparement, de l'agrandissement, de l'urbanisation. Donc c'est des idées très nobles sur, effectivement, on garde les terres, on les préserve réellement pour mettre des fermiers, donc des paysans en fermage, donc en location. Les porteurs de projets font appel aux citoyens. Les citoyens mobilisent la foncière qui centralise les fonds pour pouvoir acheter les terres. Et les citoyens aussi, c'est ce qui est un peu spécial, vont instruire le projet d'acquisition. Donc par le biais d'un tissu associatif sur tout le territoire. Bon, c'est né en Rhône-Alpes, dans la Drôme précisément. Aujourd'hui, on est 20, il y a 20 régions, donc associations territoriales de Terre de Liens, où les bénévoles se mobilisent. Il y a plus de 1000 bénévoles. On est aujourd'hui plus de 100 aussi salariés qui soutiennent, qui sont aussi là pour aider les bénévoles, parce que derrière ça, il y a aussi l'idée de former les citoyens, de remobiliser les citoyens sur ces problématiques agricoles. Donc je suis le premier représentant, je ne suis pas technicien, spécialiste du milieu agricole, je suis citoyen qui me mobilise. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que Terre de Liens remobilise les citoyens sur ces problématiques-là et apporte les formations nécessaires pour acquérir les compétences qui puissent porter ces instructions de projet.
en lien avec les salariés et des gens plus compétents, un peu plus experts, qui s'engagent, des bénévoles, on va dire, plus experts du milieu, qui les aident, les accompagnent. Donc pour instruire un projet, y a tout un tas d'étapes. Donc c'est des étapes longues pour accompagner l'instruction d'un projet, l'acquisition de la ferme. C'est pour ça qu'au bout de 20 ans, pratiquement, il n'y a pas tant que ça de fermes. On est un peu plus de 250 fermes de la foncière. 270 si on compte une fondation aussi. Donc presque 400 fermiers aujourd'hui. Donc c'est pas mal. Mais c'est long. Voilà, ça demande un investissement particulier pour arriver à l'acquisition de fermes, à proprement parler. Merci beaucoup. Tu voulais aller au-delà ? Tu avais d'autres choses à nous dire, peut-être ? Oui. Ça marche. Donc, du coup, les actions concrètes, parce que du coup, il y a les outils, un certain nombre d'outils qui ont été mis en place. Outre l'accueil de porteurs de projets, on est aussi de plus en plus sur, effectivement, aussi le problème des cédants. Donc sur ces deux problématiques-là, il y a aussi le lien avec les collectivités territoriales. Sur ces problématiques-là, Terre de Liens a deux initiatives, qui sont les cafés installations et les soirées transmissions. Donc là, j'en profite pour dire, donc là, diapo sur la soirée transmission, pour faire un peu de pub pour la soirée transmission qui s'annonce, qui va être accueillie par la mairie de Béon. Donc Didier, merci d'accueillir cette soirée transmission avec Charlotte, la salariée de Terre de Liens Bourgogne, qui organise ces soirées. Il y a 10 soirées transmission par an possible sur la région, comme 10 cafés installations. Donc la soirée transmission est spécialement à destination des cédants, afin de discuter des problématiques, même si on n'a qu'une vague idée de transmettre, on est le bienvenu à ces soirées, et ça permet d'échanger sur le problème qu'on rencontre. Et les cafés installations sont plus à destination des porteurs de projets. Et c'est pareil, c'est des lieux d'échange, d'information aussi, puisque à ces soirées, on invite la Chambre d'agriculture, la SAFER. Il faut savoir qu'effectivement, Terre de Liens est directement en connexion avec les acteurs du territoire. La SAFER, la Société d'aménagement foncier d'établissement rural, qui est l'organisme institutionnel qui s'occupe de gérer la transmission des terres agricoles, grosso modo, pour simplifier. Ouais. Merci Eric, mais je donnerais volontiers mes 1 euro à l'association. Et voilà, et donc du coup, il y a quand même, je voulais parler aussi de Terre de Liens, il y a pour l'acquisition de la terre, on a aussi une commission d'installation-transmission, qui est tout à fait en lien avec le sujet, qui, quand on a une instruction de ferme, d'acquisition, on fait appel à eux, et ce sont des gens qui vont regarder si l'acquisition est possible par rapport au projet porté par les porteurs de projet. Ça va remonter au-dessus, une commission nationale qui va effectivement statuer si l'acquisition est possible. Donc voilà, ça prend 1 an, 2 ans avant de conclure ou de dire non, c'est pas, Terre de Liens ne va pas acquérir. Et voilà. Et donc le dernier outil, et on a un outil très important qui a été mis en place par Terre de Liens, c'est un site. Objectif Terre. Donc on doit avoir la diapo. Voilà. Ce site est très important pour nous parce que ça permet d'identifier de manière très simple tous les cédants et les porteurs de potentiellement les cédants et les porteurs de projets qui veulent bien déposer leur annonce, quelle que soit l'avancée de leur projet et surtout quel que soit leur projet. Enfin, à qui ils veulent transmettre. C'est-à-dire que c'est pas du tout, l'objectif n'est pas du tout de vendre, d'avoir un bien à vendre à Terre de Liens, par exemple. Tout le monde peut déposer une annonce et du coup,
potentiellement s'identifier comme voilà, voulant transmettre ou un porteur de projet qui cherche une terre. Voilà, donc c'est assez simple. Le site a été conçu, ça a mis pas mal de temps, il y a des gens qui ont travaillé dessus, de manière à simplifier la recherche. On peut choisir simplement une terre ou déposer une annonce. Il y a un onglet et il y a un déroulé, tout simplement. On dépose son annonce en tant que porteur de projet, cédant, ou éventuellement être accompagné si on est un peu à la base et qu'on a besoin de renseignements. Donc voilà, pensez, voilà, si Objectif Terre qui centralise un petit peu les annonces. Juste pour finir, je voulais saluer la présence. Donc, en Bourgogne-Franche-Comté, il y a 16 fermes terres de liens et il y en a deux dans l'Yonne. Voilà, donc je remercie Eric. Eric qui est fermier terre de liens, donc voilà, depuis 10 ans. Donc voilà, donc si éventuellement vous avez des questions à poser sur une ferme, comment voilà, la transmission s'est passée au niveau d'une ferme terre de liens, vous pouvez aussi voilà, lui poser la question. Oui, juste rappeler qu'il y a un fonctionnement par groupes locaux à terre de liens et que en fait celui de Lyon est en train de se créer. Oui, merci de le rappeler. C'était mon point. Je l'ai noté. Faut pas que je l'oublie. Je suis là au titre effectivement d'un groupe local tout nouveau qui se crée. Donc c'est la volonté effectivement. Je l'ai expliqué un petit peu dans le fonctionnement. Il y a une association. C'est une association nationale avec des associations territoriales. Et dans ces associations territoriales qui sont régionales. C'est relayé par des bénévoles sur les territoires. On peut ou non faire des groupes locaux. Nous, voilà, avec voilà, Céline, moi, un certain nombre d'autres bénévoles, donc, dont Benjamin et Camille qui ont organisé, aidé à organiser ces états généraux, Alix, on se mobilise pour essayer de dynamiser un petit peu Terre de Liens sur le territoire et créer un groupe local. Donc on remercie particulièrement, il y a un terreau, on va dire, à Joigny. Et du coup, il se trouve qu'effectivement, à Joigny, ça prend, il y a quelque chose qui prend. Des gens qui sont mobilisés, qui sont intéressés. Les états généraux qui tombent super bien, parce que du coup, ça nous fait rencontrer tous les acteurs du territoire. Donc aussi, remercier Eric, parce que ça tombe au moment où, justement, on est en train d'impulser la dynamique. Donc voilà, ça ne pouvait tomber plus bien. C'est l'association Renaissance Joigny qu'il faut remercier. Et Renaissance Joigny, oui, oui. Ah, et donc, du coup, j'en profite aussi pour saluer la caserne Bascule, qui accueille aussi beaucoup les réunions du groupe local. Et sans ce lieu de réunion, c'est vrai que c'est très, très aidant. En plus, c'est très, très cool, parce qu'ils sont en participation libre. Donc, c'est très, très sympa à eux. Donc un grand salut à la caserne Bascule aussi, qui est un lieu ressource aussi très sympathique. Merci beaucoup. Je vais passer à Arnaud Rousselat, qui était déjà là hier pour nous parler de l'innovation et de deux, trois sujets de ce genre, mais qui aujourd'hui va raconter un petit peu comment s'est passée la transmission dans le cas qu'il concerne lui personnellement. Bonjour à tous, donc Arnaud Rousselat. Je travaille donc en tant qu'exploitant agricole à Neuilly et à Yan. Et associé avec mon père. Donc je suis revenu sur l'exploitation agricole il y a 9 ans, 10 ans. Et ça s'est, bon, avec mon père, ça s'est plutôt bien passé. Faut quand même savoir beaucoup de choses qu'a dit Florestan, et je le rejoins sur ces points-là. C'est que quand on reprend une exploitation agricole, on sort des études, on a appris beaucoup de choses. Il y a encore beaucoup, beaucoup à apprendre, parce qu'une exploitation, c'est, comme toute entreprise, c'est des normes, des valeurs, des notions à avoir. C'est aussi, comment dire, sur une exploitation agricole, c'est aussi des façons d'être héritées et dictées par nos parents, grands-parents, des façons de faire, et une certaine vision du monde agricole par rapport à nos collègues. Donc tout ça, c'est à apprendre quand on revient sur l'exploitation. Alors c'est difficile parce qu'on revient, on est un peu la tête dans le guidon. Et des fois, on aurait besoin, pourquoi pas, d'audit.
Parce qu'à l'image d'un dé à jouer, dès qu'on arrive le matin sur son exploitation, eh bien, on est complètement accaparé par sa vision, on est un peu focus, comme on dirait, sur son objectif. Et donc, on ne voit qu'une partie du dé à jouer. Et on a besoin de quelqu'un qui nous aide, un peu comme des conseillers qui nous suivent, ou des conseillers de gestion, fiscalistes, peu importe, qui nous font prendre du recul sur notre exploitation et qui nous disent, bah, regarde, en prenant du recul, tu vois plus de faces de ton dé. Et il nous dit, bien, voilà, ton exploitation, c'est pas que je me lève le matin, je vais faire ça, c'est aussi cette partie-là, c'est celle-ci. Et en prenant du recul, qu'on a besoin de prendre quand on est exploitant, eh bien, on voit un peu plus la complexité de son exploitation. Alors hier, je disais qu'une exploitation agricole, c'est riche et complexe, parce qu'on a la chance d'avoir beaucoup de métiers en même temps. On est... technicien, c'est ce qui me plaît aussi, on fait notre technique, on fait la mécanique, ce qui a été quand même assez dur pour moi à appréhender parce que j'ai tenu un stylo pendant 24 ans, et 21, et quand il a fallu prendre un marteau, une clé à molette et taper au bon endroit sans se taper sur les doigts, ça a été assez compliqué. J'ai pesté quelques fois en me tenant les mains dans l'atelier, et maintenant c'est beaucoup plus agréable. Donc c'est vrai que quand on revient sur une exploitation, il y a toutes ces dimensions à prendre en compte, qui ne m'apparaissait pas comme ça. Quand je suis revenu sur l'exploitation, je dis à mon père, bon ben voilà, l'agronomie je maîtrise, la gestion, bon la gestion c'est plus de la théorie, donc ça se retient bien. Je lui dis, je vais être très très bon. Bon, j'ai mis 4-5 ans à avoir une bonne vision. Donc on a besoin de cette vision, comme disait Florestan, je crois, de coach, d'avoir quelqu'un qui nous manage, qui nous dit, tiens voilà, tu vois, il y a telle façon de cultiver. Mon père me dit, bon ben voilà, vu que tu sais tout, c'est très bien, et bien du coup tu vas prendre le tracteur et puis tu vas aller faire ça dans le champ. Puis je l'appelais 5 minutes après en disant, bon et alors, du coup ce que j'appelle une texture fragmentaire et grumeleuse, est-ce qu'on y est là? Et voilà, donc on a vraiment besoin de ce coaching. Donc c'est quand même complexe, riche et complexe, de par ses valeurs. Alors la transmission avec mon père, ben, mon père est encore associé, alors il y a encore mon grand-père, 1930, qui a 91 ans, qui a vu quand même une grande partie de l'agriculture, et qui a vu défiler, comme disait Eric, l'évolution des kilowatts à l'hectare. Et donc forcément, mon grand-père, il a cette vision de l'agriculture, un peu, il a pris beaucoup de recul, il y a encore beaucoup, il est beaucoup à venir nous voir dans les champs et ce qu'on fait. Et ça a des points positifs, ça en a des plus négatifs, parce que lui, ça a évolué depuis... je fais attention parce que je suis très bavard. Ça a évolué quand même depuis son arrivée, parce que lui, il est arrivé, bon, il avait les chevaux, donc forcément, dès qu'il nous voit tenir une pelle, il dit « Ah oui, vous en êtes là ?» Voilà, donc il y a toujours un petit peu ces jugements, mais qui sont la plupart du temps bienveillants. Donc il a connu les chevaux, il a connu les premiers tracteurs, comme sûrement beaucoup... Et puis ce qu'on a eu, puis les évolutions. Donc on lui a demandé de produire à l'après-guerre. Et puis ensuite, on a dit à mon père, donc c'est un gros bateau l'agriculture, hein. On a dit à mon père, bon bah tu vas produire, mais il faut quand même penser à gérer maintenant. Puis en même temps, dans la carrière de mon père, on lui a dit, tu vas produire, gérer, et pourquoi pas vendre. Donc ça a donné d'autres visions de ce qu'était le métier d'agriculteur. Et maintenant, on nous dit, eh bien, un agriculteur va... produire forcément, même si on y dit à l'école, et j'ai déjà dit hier, vous devez nourrir le monde. On tempère un peu quand même sur ce point-là. Oui, il faut nourrir le monde, mais il faut penser un petit peu aussi à se nourrir soi-même. Déjà, quand on est agriculteur, donc être bien rémunéré correctement. Voilà, le coût de vendre à perte, je revoyais hier dans le film qui était très très bien, le coût de vendre à perte, moi ça m'horripile toujours un peu. Donc voilà, il y a cette notion de on produit de l'aliment qui doit toujours être moins cher, mais qui quand même doit être équitable pour tous. Et donc une fois qu'on a dit ça, bien mon père il a dit bon ok je vais vendre, alors il s'est formé sur les marchés à terme, on a monté des outils pour la commercialisation, c'est très intéressant, et puis peut-être que maintenant on nous dit bah, produisez alors différemment, pourquoi pas en bio, et ce que je veux dire c'est que j'essaye de ne pas faire de clivage dans l'agriculture, en disant, il n'y a pas, comme on a tendance à faire, les anti, les pros, là on s'est spécialisé là-dedans depuis 2 ans, et donc c'est bien ou c'est pas bien, mais il n'y a pas de demi-mesure. Et donc je trouve ça important de dire que nous, on est passé en agriculture biologique, mais ça a été un choix, mais qu'on n'a pas forcément tout renié de l'agriculture conventionnelle. Voilà, on s'en inspire et on fait des choix. Juste préciser que tu es en grande culture. C'est pas du maraîchage ni de l'élevage, tu es en grande culture. Et uniquement grande culture. Voilà, que des grandes cultures et de la betterave.
grande culture aussi. Voilà, plus spécialisé. Là où je voulais en venir, c'est que peut-être que maintenant, on nous demande de produire autrement, sachant que l'agriculture conventionnelle ne fait pas n'importe quoi aujourd'hui, sinon l'écologie des entreprises s'en serait occupée. Donc on ne peut plus mettre n'importe quoi dans nos champs. Voilà. Donc nous, on a tendu à aller vers... c'est là que j'en viens à la transmission. On a tendu à aller vers l'agriculture biologique, quelque chose qui me plaisait beaucoup et qui est quand même assez difficile parce que quand on arrive et qu'on se dit « bon, je vais sortir des études, je vais être très bon, je vais t'expliquer, papa », et qu'en fait, on passe 5 ans à ce qu'on nous explique, on apprend la modestie de fait. Et forcément, je me suis dit « est-ce que je vais emmener mon père dans l'agriculture biologique quand on va le prendre ?» Mon père a fait le choix aussi, il m'a dit « tiens, l'agriculture biologique, on en avait parlé ». Et puis je lui disais « tu sais, moi, traité, saoule ». Donc il voyait ma tête quand je prenais le pulvérisateur, il me disait « tu vas traiter ou c'est moi ?» Oh, tu sais, si t'as envie, t'y vas. « Non, non, c'est toi. » Bon, j'y vais. Alors, c'était quelque chose qui ne me plaisait pas. Donc forcément, tous les deux, un peu conjointement, on est allés en agriculture biologique. Ça s'est bien passé et j'ai de la chance que mon père soit assez ouvert d'esprit et que ça se passe très très bien. Il est très moteur, il cherche aussi avec moi. Et il m'accompagne sur certains projets, sur beaucoup de projets en fait, tous. Mon grand-père, qui a 91 ans, lui, c'est autre chose. Alors lui, on lui a dit qu'on allait passer en bio, il dit « bon allez, plus sérieusement, non, on passe en bio, ouais, bon, ok ». Et il a tourné les talons, il est parti, il est revenu quelques heures plus tard, il dit donc en fait, les géraniums, les coquelicots, que j'ai passé ma vie à enlever, du coup vous allez les remettre, quoi. C'est ça que vous êtes en train de me vendre, bon, ok ». Voilà. Donc là, on a commencé à faire un peu de communication. Et puis petit à petit, mon grand-père, qui pour lui était là pour produire, pour tout ça, eh bien, il a dit, bon, du coup, en fait, les 75, 80 quintaux qu'on faisait, du coup, vous allez en faire 35, 40. Oui, ouais, c'est ça, papy. Alors, il a fallu passer par-dessus, parce que régulièrement, encore aujourd'hui, toi, votre bio, ça va quand même, c'est le quand même des fois qui dérange. Et ça se passe bien, et il l'accepte bien, et puis maintenant il vient nous voir, il dit bon alors ton homéopathie, tiens bon tes bactéries, alors tous les petits projets dont j'ai parlé hier, et bien maintenant il vient les suivre, alors il allait suivre mon relais cropping, il y a ça qui est pas terrible, mais c'est bien d'avoir quelqu'un qui dit c'est pas terrible sur certains points, parce que bon déjà si on faisait tout bien ça se saurait, et puis c'est bien aussi d'avoir toujours quelqu'un qui vient dire est-ce que tu es sûr de ce que tu fais, parce que je pense que c'est quand on commence à plus poser de questions qu'on commence à être dans l'erreur. Moi, quand je m'en pose, je me dis c'est bon signe. Quand je commence à me dire c'est bon, je suis sûr de mon coup, je me dis qu'il y a un loup. Donc voilà, on a apporté beaucoup d'entropie dans son système. Et forcément, vu que les habitudes sont faites pour être changées ou modifiées, mon grand-père, il n'appréciait pas beaucoup. Mon père, c'était très bien. Mon grand-père, il n'appréciait pas beaucoup. On a vraiment apporté beaucoup d'entropie. Et forcément, comme tout ce qui est changement, c'est pour ça qu'on a inventé la conduite du changement, hein, d'ailleurs, et qu'on est obligé de passer par là, en général, en entreprise. Alors, mon grand-père a fait sa fameuse courbe du deuil, et il est maintenant dans l'acceptation, en disant, bon, finalement, votre bio, c'est pas mal. Voilà. Combien de temps ça a pris ? Ça dure encore un peu maintenant. Là, encore, pendant les semis, on sème très très tard en bio pour essayer de décaler les stades et puis décaler les levées. Et donc, mon grand-père, encore là, au 10 novembre, il me dit « Vous pensez semer cet hiver ou... on va s'y mettre ?» J'ai une papille 35, 40 hectares, 50 hectares. Si on se lève très tôt le matin, qu'on se couche très tard le soir, maintenant, ça se fait. Oui, bon, ça s'est fait. Alors, il était assez content. Mais faut quand même avouer qu'on a un contexte, parce que je parle de grande culture bio, mais on a quand même la chance, parce que je dis c'est dur. Avec mon grand-père, j'aime beaucoup, forcément, on s'entend très bien. Mais je dis c'est très dur. On a quand même une très grande chance. Quand même, dans mon secteur, c'est que c'est des terres faciles. C'est des terres très faciles à cultiver. Et donc ça enlève quand même une bonne épine du pied. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus ? J'avais quelques idées en tête. Bon. Ton installation, ça s'est fait très simplement ? Ou la reprise de la ferme, d'un point de vue purement technique et administratif ? Alors, d'un point de vue technique, administratif, la reprise s'est faite quand même assez bien. C'est mon père et puis une société de mon oncle. Alors, mon oncle, lui, a plutôt lâché et puis il vient voir ce qu'on fait. Comment ça ? Ton père et une société de ton oncle ? J'ai repris une société de mon oncle et mon père, lui, travaille sur ce qu'il a toujours eu. Voilà. Et donc, j'ai repris la ferme de mon oncle. Alors, lui, qui était en agriculture conventionnelle, alors il a regardé un peu d'un air... Maintenant, il me dit « Oh, c'est pas mal ».
Donc, mon oncle, ça, bon, voilà, il me dit, bon, ben, voilà, je te cède la ferme. Il suit, il regarde. Des fois, il me pose des questions. Il me dit, tiens, tu penses que c'est la bonne idée? Et on échange sur ces points-là. Et c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Voilà. Pour moi, l'innovation, elle les perturbe un peu parce que il y a aussi un modèle dont je vous ai parlé, c'est que quand j'ai commencé à... C'était un peu la logique que j'avais en disant avant, il a fallu produire, puis gérer, puis pourquoi pas commercialiser différemment. Et je pense qu'à l'avenir, pourquoi pas transformer. Enfin, ça, c'est une idée que j'ai en tête. On a toujours beaucoup d'idées. On a hâte d'être le matin, des fois, parce que ça nous réveille à 3h du matin. On se dit, bon, vivement 6h. Forcément, là, j'ai une idée que je mature depuis 3-4 ans, qui m'a pris du temps sur de la transformation. Je m'arrêterai là. Et donc, ça me prend beaucoup de temps en ce moment. Je suis en train de faire le dossier et mon père me dit, ah bon, tu penses partir là-dessus? Je dis, oui, c'est une idée de transformation pour l'exploitation. Et forcément, dès qu'on est parti sur... je vous parlais hier, on a lancé une activité d'épandage de compost, d'achat-revente de compost et de craie et de bactéries et d'épandage. Et forcément, on a mon grand-père qui, le matin, est un peu sur le pied de guerre. Quand on va en moisson, il y a mon père qui part en moisson. Moi, je l'aide un peu. Puis après, on va à l'épandage. Ben, moi, je vais à l'épandage tout seul. Et puis mon grand-père qui dit, et vos champs, du coup, ils vont se déchaumer tout seul. Alors, jusqu'à ses 88 ans, mon grand-père, il y a un matin, il avait 88 ans, c'est la dernière année qu'il conduisait le tracteur quasiment. Et il vient me voir un peu fâché. Il dit, vos champs, ils sont pas déchaumés. Vous avez rien fait. Tous les autres ont gratté. Ça, c'est un peu la pression dans le monde agricole. Tous les autres ont fait, pas toi. Dites au nom d'agriculteurs ce que c'est que le déchaumage. Le déchaumage, c'est enlever les chaumes, donc c'est enlever les pailles, retourner les pailles coupées et commencer à procéder à la dégradation des pailles dans le sol par la suite. Et donc forcément, mon grand-père, un matin, il n'était pas bien luné, je l'avais vu de loin, et il vient me voir et il me dit, et donc les champs vont se déchaumer tout seuls parce que là tu pars à l'épandage, c'est bien, tu vas travailler chez les autres, mais chez toi ça ne se fait pas. Et je lui dis, papy, si tu n'es pas content, tu prends le tracteur et tu peux y aller. Il a mis sa casquette et il est parti. Et il est parti déchaumer toute la journée. Bon, fallait pas le piquer. Donc, voilà, c'est... Bon, j'arrive pas loin du temps, mais... Voilà, c'est très agréable de... Bon, déjà, d'être remis en cause, hein, parce que quand on se pose plus de questions, voilà. Et d'avoir toujours des personnes autour de nous, donc des instituts, pourquoi pas. Alors moi, j'aime beaucoup la technique, donc je suis très à la recherche de gens qui nous apporteront des solutions innovantes et qui nous diront, essaye ça. J'aime bien, alors moi après c'est moi qui décide quand même sur mon exploitation, j'aime pas trop qu'on insiste trop si j'ai dit non, mais j'aime bien avoir quelqu'un qui vienne et qui me dise, tu sais, il y a cette idée là, elle a un peu casse-gueule, mais elle peut être à tenter. Et donc moi j'aime bien ça, donc j'essaye de m'entourer de ces gens là, des groupes, et donc je l'avais conclu hier en disant que le groupe sera toujours meilleur que le meilleur du groupe, et donc on fait des petits groupes d'agriculteurs qui permettent de se regrouper ensemble. Et donc là, nous, c'est un groupe autogéré, en fait, et on fait venir des techniciens de temps en temps pour nous montrer quelques techniques, voilà, des instituts, selon ce qui nous intéresse. On table ensemble et on dit, tiens, on va faire venir telle personne. Et c'est comme ça qu'on en était venu à l'homéopathie, où on prend toujours une formation un peu farfelue. On se dit, bon, on va essayer, pourquoi pas. Et puis après, une autre formation, puis une autre formation, puis une autre formation, puis on se prend vite au jeu. Et donc voilà, avoir un groupe, ça permet quand même d'apporter des idées nouvelles. Notre groupe, on l'appelle un peu notre R&D, parce que c'est vraiment ce groupe où tout le monde cherche dans son coin. Et vu qu'en agriculture, de recherche et développement, je contribuerai. Et c'est toujours, en agriculture, forcément, j'essaye de passer deux cultures par an, c'est ce que je disais hier. Mais en fait... une culture par année, donc un essai ou quelques essais par année, eh bien c'est déjà très bien. Donc dès qu'on s'est trompé sur un essai, eh bien il faut recommencer l'année d'après. Donc dès qu'on est plusieurs à faire le même essai, eh bien finalement on avance beaucoup plus vite. Donc moi je cherche sur un secteur, sur deux domaines, il y en a qui cherchent sur deux autres, et finalement on avance assez vite. Et ça c'est agréable. Donc le groupe nous fait pas mal avancer. Et la remise en question, la remise en cause de par les plus anciens nous aide aussi à avancer. Je vous remercie pour votre attention. Merci Arnaud. On va poursuivre avec Alix, qui va nous présenter une autre façon d'installer une exploitation qui est un petit peu à la convergence de tout ce qu'on a entendu. Oui, bah, merci. Oui, voilà, j'avais un diapo. Bah, je suis très très heureuse de pouvoir vous présenter une nouvelle activité qui s'installe sur Joigny.
Donc c'est une installation en maraîchage bio, mais dans le cadre, donc c'est un cadre particulier qui n'est pas représentatif de toutes les installations en maraîchage bio, c'est dans le cadre de la création d'un chantier d'insertion. Vous m'entendez bien ? Ok. on peut passer à la diapo suivante, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'un chantier d'insertion ? D'abord, peut-être que vous ne connaissez pas. Donc, on dit, en abréviation, on dit ACI, Atelier Chantier d'Insertion. Donc, l'idée derrière, c'est que c'est une activité qui est ancrée dans l'économie sociale et solidaire, donc ESS, et qui a une action d'insertion en faveur des habitants en difficulté. Donc, faut voir un chantier d'insertion comme une entreprise qui tremplin, qui permet à des personnes qui sont très éloignées de l'emploi, voire qui n'ont jamais travaillé, de s'insérer dans un projet professionnel. Donc, c'est des entreprises qui sont agréées par le ministère du Travail, et on cible principalement donc des jeunes qui sont sans qualification, des bénéficiaires du RSA, Revenu Social Solidaire Active. Le revenu de solidarité active, je devrais le savoir celui-là pourtant. Les seniors en difficulté, voilà les personnes qui sont proches de l'âge de la retraite, mais voilà, qui pourraient encore travailler et pour qui c'est difficile d'accéder à un emploi. Des femmes isolées, des primo-arrivants, enfin des personnes réfugiées, etc. Et c'est des personnes qu'on va accompagner sur un parcours de 24 mois et on va les accompagner socialement pour lever tous les freins qu'ils ont actuellement à l'emploi. Donc ça peut être, ils n'ont pas le permis, ils n'ont pas les moyens d'avoir une voiture, ou ils manquent de ce qu'on appelle motilité, donc c'est-à-dire la capacité mentale à bouger. Des fois, il y a des gens qui n'ont jamais bougé de Joigny, par exemple, et pour eux, l'idée d'aller dans une autre ville trouver un travail, c'est difficile parce qu'ils ne l'ont jamais fait jusqu'à maintenant. Donc voilà, on essaie de lever tous ces freins-là. Ça peut être aussi des freins financiers et des freins de santé. Voilà, donc on travaille tous ces aspects-là. Et puis on les amène à la formation et à construire avec eux un projet professionnel. Donc l'idée, c'est pas forcément, là dans le cadre du maraîchage biologique, d'en faire des maraîchers. Si on a des vocations qui naissent, au contraire, on va les accompagner et c'est super. Mais ça peut être totalement autre chose. Ça peut être des personnes qui veulent, conduire des camions, qui veulent travailler, faire du ménage. Voilà, ça peut être n'importe quelle activité. Et on les prépare à une sortie positive. Donc soit ils vont en formation, on leur trouve des formations pour qu'ils construisent ce projet professionnel, soit ils trouvent un emploi durable, donc préférentiellement un CDI. Voilà. Et donc nous, dans le cadre particulier du maraîchage bio, l'idée c'est que les personnes retrouvent confiance en eux, mettent en valeur des compétences. Et on travaille, donc justement, le travail avec le rythme des saisons et le retour à la terre permet aussi ça, de se restructurer, voilà, de voir ce qu'on fait de ses mains. C'est assez essentiel pour reprendre confiance en soi. On travaille aussi en équipe, donc il y a aussi ce rapport, on a un encadrant technique qui va nous donner des directives, donc il faut suivre ces directives. Et puis on travaille avec d'autres personnes, donc c'est composé aussi avec les autres personnes. Donc voilà, on travaille sur tous ces aspects-là, et on va aussi travailler l'aspect vente. Donc voilà, on développe tout un tas de compétences qu'on va pouvoir mettre en valeur ensuite dans leur projet professionnel. Et puis bon, comme je le disais, l'idée derrière, c'est la personne sème, la personne récolte, elle voit le travail, le fruit de son travail, et ça c'est essentiel pour reprendre confiance en soi. Donc voilà ce que c'est un peu l'idée derrière, diapo suivante. Donc les Jardins du Coteau, pour vous redonner un petit peu le contexte. Donc c'est une initiative en fait, enfin c'est la ville de Joigny qui a fait plusieurs constats sur le territoire du Jovinien, et plusieurs enjeux. Donc un premier enjeu qui est donc l'insertion sociale et professionnelle. Il faut savoir qu'à Joigny on a à peu près 22% de chômage, donc ça c'est des chiffres de 2017 sur tout le Jovinien, et dans le quartier prioritaire de la Madeleine, si vous connaissez un peu Joigny, on estime à peu près à 33% de chômage, ce qui est pas rien.
Et donc, il y a un vrai travail local à faire pour réinsérer ces gens vers la vie professionnelle. En plus, bah, par-dessus, on a eu la crise Covid, qui n'a pas aidé les gens à sortir d'un isolement professionnel. Donc voilà, il y a une nécessité de créer un outil d'insertion sur le territoire. Et puis on répond aussi à l'enjeu environnemental et la résilience alimentaire en créant une activité de production alimentaire locale et bio. Donc voilà, faciliter l'accès à une alimentation saine et locale. Donc la mairie de Joigny a lancé un appel à projet en 2020 pour lancer ce chantier d'insertion en maraîchage bio, auquel a répondu le groupe Vitamine T sous l'association CERDEPREF. Vitamine T, c'est un gros groupe qui a un ensemble de chantiers d'insertion en France, dont CERDEPREF, qui est déjà un chantier d'insertion en maraîchage bio qui est situé dans le nord de la France. Ils ont répondu à cet appel à projet, ils ont été lauréats. Et donc, ils ont créé l'association Les Jardins du Coteau, dont je vais vous parler un peu plus après. Et parallèlement, la ville de Joigny a été lauréate de l'appel à projet, AAP, appel à projet inclusion et ruralité, qui est porté par la MSA, Mutuelle Santé Agricole. Pardon. donc on est accompagné par la MSA sur ce projet d'insertion. Et puis également la ville de Joigny qui a été lauréate de l'appel à projet Quartier Fertile, qui nous permet, donc qui est porté par l'ANRU, alors là, waouh, Agence nationale pour la rénovation urbaine, qui nous permet par exemple de faire un certain nombre d'investissements, de remises à niveau des terrains et d'avoir des bureaux par exemple pour l'association. Donc pour ce projet, la ville, donc voilà, clairement là c'est pas un contexte représentatif d'une installation, puisque l'accès au terrain était facilité par la ville. La ville a repéré des terrains qui pouvaient nous mettre à disposition, donc on en a deux. Il y en a un qui se situe chemin de Chauffour, près des serres municipales, si vous connaissez un peu Joigny, et un second qui est rue de la Charbonnière. Donc on vise à installer, donc on va avoir en tout 2,4 hectares à valoriser, et on vise à installer 1100 m2 de serres en première année. On est un peu ambitieux, on va déjà en installer 770 m2 là, en avril, on est déjà content. Si on arrive à en faire plus, c'est très bien, mais voilà, on y va petit à petit. Comme je le disais, donc le public cible, c'est prioritairement des gens de Joigny ou du Jovinien, qui sont aussi dans le quartier de la Madène, donc le quartier prioritaire de la ville, et qui sont bénéficiaires du RSA. Donc nous, on a un engagement aussi à employer au minimum 40%, 40 c'est même petit, c'est, je dirais même 50% de bénéficiaires du RSA cette année, sur tous les salariés qu'on va embaucher. Voilà. Et on vise aussi comme débouché, donc prioritairement, ça c'est un enjeu de la ville hein, qui a été mis en avant, la restauration collective, pour fournir par exemple les cantines locales en bio, bio aussi, mais et local. Voilà, c'est aussi un gros enjeu. Et c'est pas facile pour la restauration collective de se fournir en bio et local. Voilà. Et puis on pense aussi développer des paniers bio et puis fournir les circuits de producteurs et faire aussi un peu de vente sur site. Mais voilà, petit à petit, on va y arriver. Voilà, donc diapo suivante. Donc je vous fais un petit peu l'historique du projet. Donc en 2021, on a créé l'association Les Jardins du Coteau. On a présenté ce projet aux acteurs agricoles du territoire, et notamment donc à la Chambre d'agriculture et à Bio-Bourgogne. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait tout un travail de rencontre de tous les partenaires sociaux locaux. Donc on travaille avec Pôle emploi, Coalia aussi, qui travaille avec les réfugiés. L'école de la seconde chance, qui travaille avec les 16 à 25 ans, qui n'ont pas de formation. On travaille avec la mission locale de Joigny, la fabrique de Joigny, donc, qui est le centre social de Joigny, et puis le département, donc l'UTS, l'unité territoriale sociale, qui eux aussi nous orientent des personnes qui cherchent un emploi, enfin, qu'on cherche à insérer. On a également rencontré un certain nombre de chantiers d'insertion de Lyon,
Et je tiens à remercier, donc Eric est là dans la salle, les Jardins de la Croisière, et Eric Polreau qui est le directeur, qui nous a accueillis très fortement, enfin très positivement sur le territoire, et qui m'aide également à mieux comprendre comment marche un chantier d'insertion, mieux à voilà, qui nous appuie, et puis même d'un point de vue technique avec son chef de culture. Donc voilà, un gros merci à vous. Et donc on adhère aussi au réseau de Tonic, donc c'est le réseau des chantiers d'insertion de toute Lyon, où, qui nous permet en fait d'échanger entre chefs de chantiers d'insertion sur bah, les bonnes pratiques, comment, quand on a des problèmes, comment on les résout, voilà, comment tu fais toi, etc. Donc vraiment un beau réseau d'échanges. Et notamment bah, Mobile Epco, qui est un chantier d'insertion qui se situe à Saint-Julien-du-Sault ou à Villeneuve, je ne sais plus. Ah. Villeneuve. À Villeneuve, avec qui on va monter un partenariat, puisqu'on embauche, enfin, ils vont nous mettre à disposition une conseillère en insertion, un jour, enfin une semaine, un jour tous les 15 jours, oui, c'est comme ça, qui va nous aider à faire l'accompagnement social de nos salariés. On a essayé de rencontrer, enfin, on a rencontré la majorité des maraîchers bio locaux, bah déjà pour se faire connaître, dire coucou, on arrive, et puis mieux connaître aussi leur circuit de distribution, parce que l'idée c'est pas de leur marcher sur, enfin voilà, marcher sur leur plate-bande, l'idée c'est de mieux connaître leur réseau et de développer notre propre réseau. Voilà. Donc voilà là-dessus le travail qu'on a fait. On a également bah, certifié en bio les parcelles qui ont été mises à disposition par la ville, et on a un accompagnement technique par Bio Bourgogne. Notamment moi je suis arrivée mi-août, je ne suis pas maraîchère et il y a certains choix techniques que j'ai dû faire sans chef de culture, et Bio Bourgogne m'a beaucoup aidée là-dessus, donc je les remercie aussi également. Et puis dans le cheminement, donc on a obtenu l'agrément pour être chantier d'insertion, puisque c'est un agrément qui est donné par le département. Et donc on a été conventionné pour pouvoir faire cette activité d'insertion le 1er décembre 2021. Et donc voilà. Et avec ça, on a également obtenu un accord pour avoir un fonds de développement à l'insertion exceptionnel. Et on remercie le département pour ça et la région, qui nous permet de faire un certain nombre d'investissements pour démarrer l'activité et offrir aux salariés des bonnes conditions pour lancer cette activité de maraîchage. C'est parce que c'est, je l'ai constaté aussi, je m'en doutais avant de prendre ce poste, mais je le vois encore plus là, il y a beaucoup d'investissements à faire quand on lance une ferme, et avoir un coup de pouce là-dessus, c'est quand même assez formidable. Donc la transmission, il y a quelque chose qui m'a un peu étonné, hein, c'est qu'on parle de problèmes. Le problème de la transmission. On parle de défis à relever. On est dans une espèce de logique un peu étonnante, mais qui est bien la réalité. La réalité de ce que l'on vit aujourd'hui. Et pourtant, on parle d'une agriculture durable. Mais ça veut dire quoi, durable ? Qu'est-ce qui fait, par exemple, que la vie est durable ? Eh bien, c'est qu'elle est capable de se reproduire, de se transmettre. Et aujourd'hui, une agriculture qui n'est pas tout à fait capable de se reproduire au point qu'on soit obligé d'assister sa procréation par toutes sortes d'institutions, toutes sortes de travaux, toutes sortes de... Ça montre bien dans quel état on se trouve et ce de quoi on s'est éloigné. La transmission, ça devrait être l'essence même de toute activité durable, d'être en mesure de se reproduire. Et se reproduire, ça questionne cette fécondité de la vie, de notre façon d'être au monde, de notre façon d'être ensemble. Alors je vois que Terre de Liens organise même des datings dans des cafés pour se rencontrer. Donc on est vraiment dans une démarche de fécondité, mais d'abord de faire rencontrer des gens pour connaissent quelque chose de nouveau, quelque chose d'autre. Alors pourquoi est-ce que notre agriculture n'est plus durable aujourd'hui ?
vu qu'elle est obligée de se poser cette question de la transmission qui devrait être une caractéristique inhérente de toute activité. Hein. Il n'y a pas que l'agriculture qui a des problèmes à se transmettre. Hein. Tous les méga-organisations qu'on a réussi à créer ne sont capables que de phagocyter les autres, mais pas de se reproduire vers des formes d'agrandissement de plus en plus tentaculaires, quelquefois, mais qui ne sont pas durables, qui, un jour ou l'autre, une fois qu'on a tout mangé, ben on s'effondre. Et d'ailleurs, oui, je viens d'un département qui est la Corrèze, et dans les différentes possibilités de transmission, comme il n'y a plus de repreneurs, Florestan, tu nous disais qu'il y a combien, 30% des exploitants qui ont un repreneur aujourd'hui ? Il y a deux installations pour trois départs. Deux installations pour trois départs. Pour trois départs. Ouais, donc c'est contraire. Il y a des fermes qui s'installent. Oui. Donc je disais, il y a deux installations pour trois départs, ça veut dire qu'il y a deux repreneurs. Ouais. Ça veut dire qu'il y a deux fermes qui se créent ou qui sont reprises et trois départs. Voilà. C'est pas la même chose. Donc ce déficit. Ce déficit qui a à ce niveau-là, en Corrèze, il a été comblé d'une façon assez étonnante. Parce que donc un agriculteur, enfin une personne qui possède un propriétaire terrien est obligée de garder la vocation agricole de ses terres, sauf si ça passe et s'il y a la possibilité de le faire passer dans de la forêt. Hein. Et donc aujourd'hui, toute la Corrèze est en train de devenir un département forestier, ce qui permet aux propriétaires de garder leur terrain. Et donc ils sont très heureux pour ça, mais en fait on crée un paysage donc de Douglas, hein, d'arbres uniformes, qui fait vivre une industrie qui a été mise en place pour ça, hein, depuis une vingtaine d'années. Il y a eu un grand plan forestier sur tout le département avec des nouvelles routes qui réunissent donc les massifs de production forestière avec quelques usines de transformation. Au début c'était fait pour une usine de pâte à papier. Capitaux finlandais qui ne fonctionnent plus aujourd'hui avec la production locale. Et aujourd'hui, ça va vers soit des gens qui font des copeaux, donc c'est des arbres qui étaient faits pour faire de la trituration déjà, hein, donc c'est pour faire soit du chauffage, quelquefois un petit peu des planches, hein, mais on n'a que deux grosses scieries sur la Corrèze, hein, c'est très très peu par rapport à la taille du massif. Donc c'est des forêts qui sont sous-valorisées, mais en fait, il y a eu une espèce de consensus, comme il n'y a pas de repreneur, pour aller vers un schéma de cette nature-là. Et qui est aussi en train de mourir, hein, dans le sens où aujourd'hui, sur certaines parties de notre département, il n'y a plus que 2 habitants par kilomètre carré. Voilà. Alors quand on parle de transmission, on parle de fécondité, en fait. Hein. On parle de faire des petits. Quand on veut faire des petits, ben, la première des choses à faire, c'est de soigner son apparence, de draguer, quoi, d'être beau, d'être sexy. Hein ? Est-ce que l'image que l'on offre, que l'on présente de notre agriculture est une image qui est sexy ? Alors, vous faites des choses qui sont belles, hein, justement, pour montrer qu'il y a, hein, Alix, que tu viens de présenter, pour montrer qu'il y a de la place pour tout le monde, qu'on peut aussi inventer des belles formes d'agriculture qui donnent de la place même à des gens qui seraient plutôt exclus. Hein. Mais Arnaud, c'est pareil. Hein, ta forme d'agriculture, hein, qui se doit d'être belle, alors dans la transmission belle pour ton grand-père, hein, donc il ne comprend pas trop ce qui se passe et tout ça, mais qui voit, puis qui finalement il t'aime. Donc hein, tu l'as dit, et toi aussi tu l'aimes. Donc il se passe quelque chose de l'ordre de l'amour qui fait que la transmission se passe avec quelquefois des difficultés, hein, mais ça se passe. Ça se passe. Et c'est cette idée que nos formes d'agriculture doivent faire très attention à ça, doivent faire très attention au fait d'être accueillantes, ouvertes, en capacité d'accueillir du monde, et peut-être aussi d'avoir confiance. Hein. Hein, où est-ce qu'il est François qui est passé hier? François, hein, si on avait dû parier sur toi il y a 4 ans, sur le fait que tu existes, ou plus, ça fait maintenant 4 ans que tu es installé. Hein. 2013, voilà. Le temps passe, là là.
Voilà, si on avait dû parier sur toi il y a quelques années, toi, il n'y aurait pas grand monde qui aurait parié que 8 ans après, tu te retrouves dans une salle à témoigner de la réussite de ce que tu fais. Donc, cette idée d'avoir confiance, on veut quelquefois choisir, est-ce que c'est des bons agriculteurs qui vont venir? Est-ce qu'ils vont être conformes à l'idée qu'on se fait des agricultures? Mais non, c'est jamais des bons qui sont conformes aux formes d'agriculture que l'on veut, parce que l'agriculture que l'on imagine pour demain, en fait, avec le réchauffement, avec toutes les mutations qui sont vécues, on ne sait même pas à quoi ça va ressembler. Donc cette idée d'avoir confiance aux initiatives, aux projets. Et donc, je voudrais peut-être témoigner de 4 idées que j'ai ressenties un petit peu dans ce que les uns et les autres avaient partagé. La première idée, on va appeler ça un principe de réalité. Ton grand-père. La réalité, ce qui se passe pour de bon, est plus importante que l'idée. Et c'est parce qu'on fait les choses, parce qu'Alix, tu fais les choses, parce que toi, tu organises les choses, que les choses se font. C'est qu'il faut faire des choses pour avancer. On peut philosopher pendant des heures et des heures sur la meilleure agriculture qu'il y aurait de faire. Oui, on peut. Hein. Dans un café, c'est sympathique. Non, ce qui est important, c'est de le faire. La réalité est tout le temps plus importante que l'idée, et c'est ce que vous faisiez. On pourrait dire beaucoup aussi sur Terre de Liens, mais Terre de Liens, je lui garde le deuxième principe, qui est que le temps l'emporte sur l'espace. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que de réfléchir à des actions qui s'inscrivent dans du temps long. Lorsque Terre de Liens a commencé il y a quelques années, ça a commencé quand Terre de Liens, je ne me rappelle plus, 2003, avec une ferme. 2007, voilà. Il y a 2003 avec zéro ferme. 3 ans, 4 ans, 2007, pour avoir une ferme. Une ferme dans un bien commun. Une ferme qui s'inscrit dans une postérité. De personnes qui partagent des valeurs, qui partagent une certaine vision de ce que pourrait être le monde de demain. Aujourd'hui, donc 300 et quelques, 260, et demain, 1000, et après-demain, 10 000. Oui, le temps, on démarre par des petites choses qui passent cette épreuve de la réalité, que la réalité est plus importante que l'idée, mais qui s'inscrivent justement dans le temps long. Et ça, dans toutes les actions que l'on mène, vous savez, quand on plante un arbre, au début, c'est, hein, on dit qu'on a tous besoin de vieux arbres à côté de chez nous, hein, mais planter un vieil arbre qui est 500 ans, le meilleur moment pour le planter, hein, c'était il y a 500 ans. Hein, et donc, dans 500 ans, on dira le meilleur moment pour débuter Terre de Liens, c'était il y a 500 ans. Et l'autre meilleur moment, quand on ne part de rien, ben, c'est tout de suite. Hein, c'est aujourd'hui de planter un vieil arbre. Planter un jeune gland qui un jour va devenir un vieil arbre. Et le jeune gland est en train de devenir un vieil arbre. Voilà. Hein, de parier justement sur le temps. Le temps l'emporte sur l'espace. Le troisième élément que vous partagez tous, hein, Louis, c'est la coopération l'emporte sur le conflit. Et qu'à tout moment, de chercher comment coopérer. Comme nos politiques auraient besoin d'entendre ça aujourd'hui, hein, que la coopération... On peut se faire la guerre, mais au bout du compte, c'est tout le temps la médiation, la diplomatie qui s'inscrit. La coopération est tout le temps plus importante que l'idée, que la lutte, hein, que la confrontation. Et ça aussi, c'est une valeur à essayer d'incarner, hein, une valeur fraternelle, comme pour la NEF, l'acronyme a déjà été donné. Hein, voilà, des valeurs, des valeurs fraternelles. Tu triches. Des valeurs fraternelles à partager. Voilà. Et là, j'ai perdu le fil de mes idées. Et donc, la coopération. Oui, la coopération. Et le tout, le temps. Et oui, puis après, oui, bien sûr, le plus important, c'est que le tout, l'ensemble, est plus grand que la somme des parties.
Hein, en médecine, c'est bien connu, hein, c'est pas parce qu'on met plusieurs éléments à un côté de l'autre qu'on va faire que 1 plus 1 va être égal à 2. C'est parce qu'on a à la fois ce que fait Alix, ce que fait Florestan, Arnaud, le Terre de Liens ou Louis, c'est Pierre. Et que la somme de tout ça, c'est bien plus que ce que chacun a fait individuellement. Et de bien prendre conscience, chacun, que on peut faire un truc qui ressemble à un tout petit truc, mais comme on est beaucoup à les faire, comme on est beaucoup à y croire, comme on est beaucoup à s'engager ensemble, notre réalité, s'engager ensemble pour la construction de ce monde de demain, ben le résultat est beaucoup plus important et va bien au-delà de nos simples résultats à nous-mêmes. Voilà, et ça, c'est une espèce de note d'espoir, hein, d'espoir dont il faut être conscient. Et la fécondité, hein, la fécondité de nos systèmes doit être empreinte de ces quatre grands principes, je crois. Et ne pas oublier, mais on l'abordera aussi un petit peu tout à l'heure, je crois. Ne pas oublier aussi que, dont le tout est supérieur à la somme des parties, là, qu'on n'est pas tout seul. Qu'il y a avec nous, dans nos histoires de transmission, dans nos histoires d'agriculture alternative, qu'il y a une autre partenaire qui est présente. Et c'est la nature, en fait. C'est la vie elle-même. Qu'en s'appuyant sur la vie, en s'appuyant sur des systèmes vivants, en s'appuyant sur les voies du bio, tu démarres par des choses comme ça, en s'appuyant sur quelque chose qui a inscrit dans son propre programme de la fertilité, de la durabilité, de la capacité à se reproduire, en inscrivant tout ça dans nos existences, dans nos structures, dans nos façons de nous relier, dans nos façons de faire ensemble, nos façons de cultiver la terre, en inscrivant la vie avec nous, cette partenaire-là, c'est ça qui va nous faire que ça va marcher, en fait. Parce que la vie est belle, et la vie est en moi, elle est en chacun d'entre nous. Et que si on le fait avec la vie, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. La vie existe depuis quelques milliards d'années. La vie est belle et vous êtes beau. Oh, bah merci alors. Ça semble être une conclusion plutôt agréable et parfaitement dans le timing. Merci Hervé. Est-ce que les uns et les autres veulent réagir aux interventions des uns et des autres ? Est-ce que quelqu'un veut dire à Hervé que tout ce qu'il a dit était méchant et mauvais ? Moi, j'ajoute quand même un... Mon grand-père me l'a souvent dit. Ouais, tu vois, t'as bien fini. Bon, c'était plus mon frère, en l'occurrence, que mon grand-père, mais bon. Ouais. Moi, il y a un sujet quand même qui me touche par rapport à tout ça. On parle de transmission, on parle de temps long. On en a parlé beaucoup hier. C'est vrai qu'effectivement, tu parles des arbres et on en a parlé avec Romuald hier. Un arbre poussera mieux s'il a été planté jeune. On pourra le faire vivre très longtemps. On a investi sur 30 ans. On parle de transmission, d'installation. Et on parle de bouleversement climatique. On parle d'effondrement des ressources et de la disponibilité des ressources. Et donc, on se confronte à quelque chose qui est l'urgence, qui est quelque chose qui a été assez peu connu dans l'histoire de l'agriculture. On a répondu à l'urgence uniquement après des cataclysmes, qui étaient des choses provisoires, ponctuelles, où on pouvait éventuellement déménager après un cataclysme. Là, on est un peu pris au piège de quelque chose de beaucoup plus global. Et c'est peut-être aussi ce qui mobilise depuis quelques années autant d'acteurs autour de la capacité à réagir aussi. C'est que les enjeux sont assez différents. Et ce qui est assez positif en ce qui me concerne, c'est de constater que ça se fait.
Ça se fait. On rencontre un problème, on rencontre un écueil avec... alors les chiffres sont divers. Les Étiens sont moins effrayants que ceux qu'on avait eus, qui étaient de l'ordre de deux agriculteurs non remplacés pour trois qui partent à la retraite. Mais tout ça, c'est quand même une urgence prépondérante. On a vu avec la crise Covid à quel point on était complètement démunis. On a 3 jours d'autonomie alimentaire en France. C'est pas rien. C'est quand même un peu effrayant. Donc, toutes ces réponses qu'on est en train d'essayer d'apporter sont quand même des réponses qui se font dans l'urgence à une situation qui demanderait normalement du temps, comme vous l'avez tous très, très bien expliqué. Est-ce que quelqu'un veut répondre là-dessus? Oui, il y a urgence. Mais alors, dès que je commence à m'inscrire dans cette notion urgence, donc tendance à me reporter sur le collectif, et finalement sur le collectif, on va dire, celui dans lequel je suis impliqué. Donc là, ça c'est facile, hein, parce qu'on fait ensemble, et faire ensemble est sûrement une des bonnes... façons, toi, quand ton groupe de R&D se développe, là, recherche et développement, hein, c'est justement aussi pour, j'imagine, pour faire face à cette urgence, à cette nécessité d'adaptation de nos systèmes agricoles à de nouvelles techniques, à de nouveaux enjeux, à de nouvelles problématiques. Hein. Donc, faire ensemble. Mais après, sur le reste, est-ce que j'ai vraiment, alors si une fois de temps en temps, je peux aller voter, quoi, mais est-ce que j'ai vraiment les capacités d'agir, hein? Bon, moi j'ai pas de capacité d'agir, peut-être que certains ont des capacités d'agir à grande échelle, hein? Monsieur Poutine apparemment a fortement la capacité, mais voilà, c'est juste de se dire où est-ce que je peux faire, hein, quelque chose qui soit utile, qui aille dans le bon sens. Et puis, toi, c'est aussi cette histoire, on dit, ouais, mais c'est dérisoire, tu vas planter un arbre avec des enfants, tu as l'école maternelle, tu vas planter des arbres dans un agriculteur. Ouais. Mais passer presque tous mes week-ends, ou tous mes mercredis, du moins de tout l'hiver, à planter des arbres avec des gamins et des écoles. Quoi. Hein, alors, bon, quelquefois, on arrive à planter 100 arbres dans l'après-midi, toi, c'est dire que dalle, quoi, hein, en étant mobilisant, quelquefois 50, 60, 70 personnes. Hein. Mais est-ce que c'est dérisoire? Effectivement, c'est rien, mais pourtant, toi, le tout est supérieur à la somme des parties. Donc, si chacun fait des tout petits trucs comme ça, dans la nature, il n'y a pas de grandes choses dans la nature. C'est que des toutes petites choses qui s'accumulent les unes aux autres. Ça, c'est durable. Vouloir faire des grandes choses, ça fait des grandes révolutions. On casse tout, on recommence, et puis après, on recasse tout, on recommence. Ce que nous tente à nous démontrer l'histoire une fois de plus. Mais c'est de faire confiance au temps, justement. Même s'il y a une espèce d'urgence, hein, faire confiance au temps, que le temps l'emporte sur l'espace, sur ce qu'on peut faire. On a fondamentalement le temps. On ne peut pas faire autrement que de prendre le temps. Et la nature a aussi son propre temps. Toi, et on peut demander à la nature de s'adapter plus vite que ce qu'elle est capable de faire factuellement, ça n'a pas de sens. Toi. Et donc, de le faire au rythme où la nature peut le faire. Et ça, justement, je pense que voilà, les témoignages de la biodiversité ce matin l'ont bien montré, que tous ces agriculteurs qui s'inscrivent dans à chacun à leur niveau des stratégies différentes avec la nature, hein, c'est des stratégies où chacun va à son rythme, au rythme où la nature va aussi avec eux. Et donc on a fondamentalement le temps. On peut se perdre dans ces notions d'urgence. La peur, et on dit qu'elle est mauvaise conseillère, après, d'un autre côté, elle nous met en mouvement. Voilà, et alors elle peut nous mettre en mouvement pour courir dans tous les sens, hein, comme quand le chat arrive dans la souricière. Là. Ou elle paralyse. Après, la sidération, voilà, hein, effectivement, c'est quand elle devient trop forte. Et là, ben, encore, ben, une fois de plus, qu'est-ce qui est le remède à la paralysie? Qu'est-ce qui est le remède à... Ben, tout le monde part dans tous les sens. Et ben, c'est les états généreux, je disais, les états généreux des agricultures alternatives à Joigny. C'est juste de témoigner ensemble qu'il y a des choses vraiment cool qui se font, qu'il y a des tas de compétences, qu'il y a des tas de structures, qu'il y a des tas de gens passionnants, beaux, dynamiques, qui font des choses. Surtout certains, il y en a qui sont quand même moins beaux que d'autres. Parle pour toi. On va faire tourner un micro dans la salle si des gens ont des questions. Je vois déjà François au milieu qui a de toute façon été sollicité au moment de la table ronde, qui va avoir droit de parler. Et puis après, on redescendra probablement par là.
Je vais demander un petit peu de temps. Moi, je suis très ému, je suis très aigri et je suis un peu en colère. Donc, je vais prendre un petit peu de temps malgré tout pour revenir sur notre histoire. Avant tout, je tiens à préciser que nous, on aime les humains avec Aurélie, hein, tous les acteurs, tous les travailleurs de toutes les structures de l'agriculture. Donc, j'ai rien personnellement contre personne. Nous, dans notre histoire, on est arrivé donc en 2010 avec un projet complètement fou. Ça, on le sait très bien. Première chose qu'on a fait, c'est qu'on a été voir la chambre d'agriculture, le pôle info-installation. Pardon. J'ai dit que je suis un peu ému, donc excusez-moi, mais c'est vraiment... Là, je bouillonne un peu depuis tout à l'heure. Forcément, on avait plein de projets agricoles. On était en plus sur une toute petite surface. Donc, il y avait la surface minimum d'installation qui nous empêchait de nous installer correctement. On est passé pour des hippies dégénérés. Après, on a essayé de monter du collectif. Hein. On a essayé, je me souviens, de réunions qui s'appelaient Bœuf-Carotte, de certaines réunions avec d'autres acteurs. Alors, il faut savoir que nous, on est tout au bout. On est la dernière maison avant la Nièvre et le dernier village avant le Loiret. Sincèrement, on se sent très, 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 très seul. Alors, on est peut-être des imbéciles, on est peut-être particuliers, Aurélie et moi. Bon... ce qu'on n'a pas parlé, c'est le PFH, le putain de facteur humain, qui est très compliqué, qu'on voit souvent dans des collectifs, que ça explose. Là, nous, ce qu'on voit depuis 10 ans, c'est qu'il y en a beaucoup qui arrêtent. Hein, des petits maraîchers bio, il y en a énormément qui arrêtent. Donc nous, on était dans la mouvance permaculture, bec et loin, c'est super, on jette 3 graines et puis on va faire 35 000 euros sur 1000 mètres carrés. Ça n'existe pas, c'est là que je dis que nous, on se remet complètement en cause tous les jours, on doute énormément. Merci Hervé, mon système il n'est pas du tout durable en fait, non, il est vraiment instable, on est sur la corde raide. Voilà, on a essayé de créer du collectif, il s'avère qu'on n'a pas réussi, ou peut-être qu'on est trop radicaux, ou qu'on est des idiots, des imbéciles, j'en sais rien. Je tiens à remercier déjà Jean Massé qui a été le premier à nous accueillir il y a très très longtemps pour discuter ensemble. Christian, Romuald et Sophie, Vincent Lefebvre, Eric, voilà, s'il n'y avait pas ces gens-là, je pense qu'on aurait abandonné depuis toujours. Nous, ce qu'on voit maintenant, c'est qu'on a 6 jeunes à la ferme en galère, je les considère en galère. Là, on a l'impression qu'ils ont trouvé un sens. Je vous rappelle que nous, c'est 60 à 80 heures semaine pour 500 balles par mois. Ce n'est pas des conditions de travail. Pourquoi je dis que ce n'est pas durable? Parce que heureusement qu'il y a Aurélie qui est là et qu'elle n'est pas dans le même état psychologique que moi. Et sinon, on aurait déjà arrêté depuis longtemps, je vous le dis. Nous, les galères qu'on a, c'est déjà qu'on se sent très, très seul, qu'on n'arrive pas à trouver du foncier. Le problème qu'on a, on n'arrive pas à trouver du foncier. Un hectare, on n'arrive pas à le trouver. Alors, j'ai regardé Terre de Liens. Alors, on s'est déjà rencontré, la FDFR, Terre de Liens, le GAP, ils nous connaissent, etc. La Chambre, ils nous connaissent. Moi, je suis désolé. Alors, soit je suis un débile profond, mais on n'arrive pas à trouver de foncier. Il n'y a personne qui veut nous lâcher un hectare. On a un hectare 3. Un hectare, ça multiplie, voilà, les chances, c'est énorme pour nous. En tant que maraîcher, tu nous as dit hier, il faut que tu trouves cet hectare dans un rayon de 2 km autour de ta ferme. Merci. Alors, il y a le maire de Béon, je ne sais pas où il est, on en discutait, j'ai regardé où c'était Béon juste avant, c'est un peu loin parce qu'on en avait parlé, on l'avait rencontré grâce à toi, Eric. Nous, on est en plus entre, voilà, au croisement de 3 départements. On habite sur Lavaux, l'école a fermé, les commerces ont fermé. Donc, on vit sur Arquian, qui est dans la Nièvre. C'est un bordel sans nom. Alors, sincèrement, moi, j'ai failli abandonner la Bourgogne, quoi. On a failli te rejoindre. On est en Corrèze. Parce que c'est très, très compliqué. On me l'a dit il y a très longtemps. Un monsieur qui est en Côte d'Or, il m'a dit, oula, Lyon, c'est galère pour s'entendre. C'est très compliqué. La Nièvre, c'est pareil. On nous a proposé des choses à l'autre bout de la France. On est tombé amoureux de la Puisaye. On a voulu continuer là-dedans. On ne sait pas où on va aller. On ne sait pas ce qu'on va faire. Là, on a décidé de passer nos BPROA il y a une dizaine d'années. On a décidé de prendre les aides. Là, la Chambre nous a pris au sérieux quand même. On a pu valider. On a pu prendre les aides à l'installation, la DJA. S'il n'y avait pas eu la DJA, on aurait déjà abandonné. Sachant que nous, on connaît je ne sais pas combien d'exemples qui ont déjà abandonné. Transmission, installation, voilà, sachant qu'on a rencontré la FDFR, Terre de Liens, hein, tout ça, il n'y avait aucune solution qui nous apportait. Du coup, DJA, dotation jeune agriculteur. C'est les aides à l'installation. Voilà. S'il n'y avait pas eu ça, on aurait déjà arrêté depuis très longtemps.
Donc, je suis désolé de casser l'ambiance, vraiment, Hervé, il faudra que tu remettes un petit coup de la vie est belle. J'ai essayé pendant les deux interventions d'être plutôt positif, mais là, je bouillonne. Et en fait, pourquoi? Parce qu'on court après le pognon. Tous qu'on est là, de toute façon, tous les Français, on court après le pognon. Il y a vraiment un problème dans ce système. Moi, je suis très surpris qu'il n'y ait pas la SAFER sur ce point-là. Peut-être qu'ils ont été inventés. Les banques aussi, parce que quelque part, faut de l'argent, ça coûte extrêmement cher. Je ne sais pas combien vous achetez l'hectare quand vous êtes né ici. Nous, on a eu des propositions, mais à des prix indécents. Mon voisin qui allait racheter 2000 euros un hectare qui est juste en face, il serait prêt à nous revendre 10 000 euros l'hectare. Donc, comment on fait? Donc, je n'ai pas spécialement de questions, c'était juste un cri du cœur. J'espère que vous allez remettre un petit peu de positif derrière. Mais non, notre modèle, il n'est pas du tout durable. Et tu l'as bien expliqué derrière. C'est compliqué de faire de la durabilité, quoi. Oui, on va faire... il y avait une réponse immédiate, on dirait. Voilà. Bonjour. Oui, c'est bon, il fonctionne. On va monter un peu le son. Oui, ce n'est pas une réponse immédiate. Hein. Je profite que le micro ne soit pas loin. Je suis Eric Saison. Je suis... Alors, j'espère que je n'ai pas catalogué dans un mauvais bord, mais je suis dans un syndicat majoritaire avec mon collègue Damien. Je suis à la chambre d'agriculture, je suis agriculteur, et puis père de famille de 4 enfants. J'aime bien me présenter comme ça aussi. Footballeur ? Pas footballeur, non, non, je ne suis pas trop, sport. Je veux saluer mon voisin de gauche et sa compagne, hein, parce que je pense qu'on a affaire à des gens très courageux. Alors, dans le métier d'agricole, on est quand même, la plupart, tous des gens courageux. Parce que jusqu'à maintenant, tout n'arrive pas tout cuit. Là où je voudrais réagir, alors déjà, si vous voulez, moi j'accueille vraiment avec beaucoup de bienveillance tout ce que j'ai entendu, tous les témoignages qu'il y a eu. Il y a quelque chose qui me hérisse le poil, excusez-moi de parler comme ça, c'est d'une façon triviale quand j'entends « on installe des agriculteurs, on installe des projets, on installe ceci, on installe cela ». Pour moi, c'est absolument faux. C'est pas comme ça. Il y a des jeunes qui ont des projets et il y a des exploitants qui sont en fin de carrière et qui ont envie de transmettre leurs biens. Et pour moi, il n'y a que comme ça que ça peut se passer d'une façon saine. Alors évidemment, souvent, on ne peut pas faire rentrer un rond dans un carré. Et ça, il y a des gens dont c'est le métier de faire en sorte que les uns et les autres puissent se rapprocher et puis arriver à quelque chose qui puisse... matché, comme on dit dans le jargon économique. Et à la Chambre d'agriculture, il y a des sessions. Alors, la formation qui fonctionne le mieux depuis 2 ou 3 ans à la Chambre d'agriculture, c'est justement les formations où on essaie d'inviter les cédants qui vont transmettre dans les 5 ans à venir pour leur expliquer le panel d'outils qui est à leur disposition pour pouvoir essayer de transmettre. Parce que la solution de facilité, aujourd'hui, dans l'agriculture, c'est de contacter ses voisins et de leur dire, tiens, est-ce que tu ne veux pas prendre cette parcelle? Est-ce que tu ne veux pas prendre cette parcelle? Et en 4 coups de fil, l'affaire est faite. Là où je veux aussi en venir, c'est que lorsqu'on dit on installe, les projets des jeunes agriculteurs, alors c'est peut-être mon éclairage, il est peut-être tordu, mais moi ce que j'observe au fil du temps, c'est que plus on avance dans le temps, plus les projets des jeunes agriculteurs sont de la surface, des systèmes grande culture, avec des tailles importantes, avec de la mécanisation, parce que les jeunes agriculteurs, ils sont comme les autres, ils n'ont plus envie de travailler 7 jours sur 7, ils ont envie d'avoir un travail efficace et qui peuvent leur apporter de l'argent. Et je le dis en connaissance de cause, parce que moi j'ai choisi de faire comme mon père, c'est de rester sur un système polyculture-élevage. Pour le coup, c'est un élevage hors sol. Et je me rends compte que mon système, il est durable dans le sens où il est cohérent, où il est résilient sur le plan économique, mais sur le plan social, là, je peux dire que ce n'est pas la vie d'un céréalier. Et est-ce que mon système demain sera transmissible? J'en sais rien du tout. J'en sais rien, parce que je vois bien qu'un agriculteur qui n'a que des productions végétales, il n'aura pas de mal à transmettre son exploitation. Un agriculteur qui a de l'élevage, il aura déjà plus de mal à trouver un repreneur. Et quelqu'un qui fait de la vente directe, qui a un emploi du temps de 70 heures par semaine, alors lui, il peut déjà s'y prendre à l'avance pour retrouver la perle rare qui voudra bien reprendre son exploitation. Donc, comme mon voisin, je n'ai pas envie de plomber l'ambiance,
Mais moi, c'est ce que j'observe. Ce que j'observe aussi, et quelque part, ça me taillade un petit peu le cœur, mais je vois bien qu'autour de moi, au fil du temps, au fil des installations, je commence à avoir des voisins qui s'installent sur des structures de 400 à 500 hectares, où technologie et optimisation du temps de travail et de la mécanisation, toutes les surfaces ne sont plus cultivées, parce que ça prendrait trop de temps, parce qu'il y a des terres qui sont trop difficiles, c'est plus la peine de consacrer du temps à ça. Et ça, quand je vois l'évolution par rapport à mon grand-père, comme le grand-père d'Arnaud, où à l'époque, tout le monde avait de l'élevage, tout le monde faisait de la vente directe, tout le monde allait vendre sur le marché, des produits transformés, c'était le beurre, c'était le fromage, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, on n'est plus dans ce domaine-là. On n'est plus dans ce domaine-là si on veut prendre si on veut quelque part à coup de serpe mettre le facteur l'agriculture dominante. Alors moi je suis le premier à le déplorer, mais malheureusement je vois bien que c'est une évolution sociétale de la part des gens qui travaillent. Alors il y a un peu une dichotomie par rapport à un urbain, je pense. Enfin, un urbain, c'est pas péjoratif, hein, mais aujourd'hui la majorité des gens travaillent en ville, plus en plus dans des grandes villes. Et à travers leur achat, ils soutiennent un certain nombre d'agricultures qui peut être une agriculture très industrialisée si la cantine leur fournit des produits très industrialisés. Et puis ça peut être le poulet du dimanche midi qui sera bio, qui sera ceci, cela. Parce que là, ils veulent accorder une valeur. Mais bon, alors excusez-moi, je suis long, mais je tenais à vous le dire parce que je ne peux pas m'empêcher de dire ce que je pense. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas, je suis fait comme ça. Mais j'avais envie de témoigner un petit peu de moi, la façon dont je vois les choses. Joël Lalette, j'étais maraîcher après être conseiller agricole. Et je voudrais quand même parler de la transmission. Imaginons une course de relais, 4 fois 100 mètres. Si le gars qui part en premier dans les starting blocks, il ne sait pas que quelqu'un va prendre le relais après lui, ça n'aurait pas de sens. Ça veut dire que la transmission, ça, on n'attend pas les dernières années. Il faut y penser quasiment dès qu'on s'installe. Hein? Alors, moi, j'ai eu un parcours un peu particulier, mais je me suis installé à 47 ans. Mais dès mon installation, j'ai imaginé que je transmettrais ma ferme 20 ans après. Donc il y a eu des étapes différentes, sociétés qui n'ont pas forcément abouti. Finalement, un de mes fils que vous avez eu a repris, mais ça a toujours été de départ prévu comme ça. Ça n'aurait pas été lui, c'était un associé qui reprenait l'affaire. Alors ça, c'est un aspect. L'autre aspect, je crois qu'on n'aborde pas le fond du problème, c'est le coût des cessions. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que peu d'agriculteurs peuvent reprendre les fermes? Il faut dire ce qui est. Les 2 sur 3 qui reprennent, le troisième, la ferme reste pas vide. Ça va à l'agrandissement des autres exploitations. Et pourquoi? C'est parce qu'il y a un ticket d'entrée aujourd'hui qui fait qu'il y a l'achat des terres d'un côté et la cession l'autre, un droit de production qui est exorbitant. Et aujourd'hui, que ce soit pour... hier, un intervenant parlait d'une ferme de 300 hectares pour 1,5 million. Quel est le jeune, quel est le gars qui voudra s'installer, qui va trouver une banque qui lui prêtera, en imaginant qu'il n'ait pas les sous? Voilà, c'est... Je crois que le problème, il est là. Il y aurait des gens qui s'installeraient si on pouvait s'installer plus facilement. On va réagir juste pour ceux qui étaient là hier. Qui peut répondre à ces deux observations en fait, qui se complètent? Alors moi, j'ai bien aimé la logique d'Éric. C'est vrai qu'on on constate des prix de cession qui sont de plus en plus exorbitants. C'était un peu pour répondre, j'avais bien aimé la vision aussi d'Hervé et ce que je voudrais dire par rapport au chaos dont tu parlais, Eric,
c'est notamment, moi ce que je trouve pas mal, c'est que c'est en ce moment quand tout change, quand il y a beaucoup de modifications dans l'environnement, qu'il y a peut-être des tournants à prendre. Et on voit qu'avec l'énergie, avec, sur beaucoup de domaines, il va y avoir des tournants. Et on ne peut pas faire l'apologie de ce qui se passe en ce moment, forcément, on n'est pas là pour la politique. Mais ce qu'on voit dans ces périodes-là, c'est que quand tout change et quand tu es désorganisé, eh bien, les modèles changent aussi et s'adaptent au contexte. Donc on peut espérer des changements. Et on parlait de la croissance, et j'ai trouvé ça bien de le donner, parce que la croissance pour la croissance, on sait tous que c'est un cancer. Et quand on fait, de la production agricole, si moi, quand mon blé pousse, hier c'était dit dans une intervention, les plantes poussent selon une courbe sigmoïde, et donc moi mon blé se développe doucement au départ, puis il explose, c'est ce qu'on appelle la croissance, et puis après il se développe et il fait des graines. Et donc si on fait une société basée sur la croissance et sur la croissance de tous, et bien forcément on produit quelque peu des cancers. Et donc si on s'amuse à faucher la société pour refaire quelque chose, et ce que disait Hervé, j'ai trouvé ça plutôt bien, si on fauche à chaque coup qu'on a fait de la croissance parce qu'on se dit bah là il n'y aura plus de croissance, on va être obligé de se développer, eh bien on n'aura jamais de graines. Donc j'ai trouvé ça plutôt logique de dire eh bien il faut de la croissance, oui, et puis au bout d'un moment il faut consolider le développement. Si on recasse, on aura toujours de la croissance, mais on ne reconstruit jamais sur de bonnes bases. Donc c'est vrai que tous ces tournants pour moi vont être le tournant qu'on prend en ce moment, notamment sur l'énergie, va peut-être avoir des impacts notamment sur ce que vous dites. Moi, j'ai juste une petite réponse pour François, qui est par rapport à la SAFER. On n'a pas contacté la SAFER. Je n'ai pas souhaité le faire. Je suis en colère comme toi pour les mêmes raisons. Et je n'étais pas du tout prêt à rentrer en contact avec eux pour cette édition. Je suis très clair là-dessus. J'en ai parlé hier avec des représentants de la Chambre d'agriculture. J'ai rencontré d'énormes difficultés, un peu comme toi, parce que je suis un tout petit exploitant agricole, qu'il me fallait une misérable surface d'un hectare, j'avais même pas tes exigences, et au bout de 3 ans, on m'avait juste envoyé vers regarder les annonces de Terre de Bourgogne et aller voir les notaires. Bon, il y a un vrai problème de ce côté-là aussi, qu'il faut quand même intégrer au problème de l'installation. On peut difficilement se sentir autre chose que rejeté par le monde agricole quand on rencontre ce type de problème. Pourquoi ? Je suis pépiniériste, c'est un truc dont on n'a rien à carrer. Tu es maraîcher et tu fais des choses un peu bizarres, personne n'en a rien à carrer. Par contre, c'est vrai qu'il y a des enjeux un peu macro, comme on dirait aujourd'hui, macroéconomiques, macro-stratégiques, qui nous dépassent. Et peut-être qu'on va privilégier la capacité de produire des cultures qui a besoin de produire en grande quantité. Donc ça, c'est un sujet qu'on abordera certainement dans une autre édition, parce que c'est prépondérant. Et effectivement, on pourra appuyer un peu là-dessus. Pour le reste, je ne sais pas s'il y a encore des questions dans la salle. Bonjour, pardon. Oui, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, moi je me demande juste si il n'y a pas aussi un besoin d'outiller les conseillers, notamment les entreprises de gestion ou les banques, pour évaluer l'intérêt et la durabilité d'un système qu'ils ne connaissent pas en fait. Et, parce que je ne suis pas sûre qu'il y ait des interlocuteurs qui soient systématiquement à différents échelons, hein, mais bon bref. Oui, je voulais juste... Merci. Interroger sur pas parlé des banqueroutes, des dépôts de bilan. Et aujourd'hui, il y a beaucoup aussi d'agriculteurs qui déposent le bilan. Il y a des hypothèques et il y a une lame de fond qui est le développement de l'agriculture de firme. Et moi, je me pose vraiment la question, est-ce que tout compte fait, c'est pas si mal d'avoir un fonds de pension qui investit dans des terres, où on met un super gestionnaire, un super DRH, un super technicien biodiversité, un super mécano, un super... Voilà. Et d'inventer... Voilà, il y a des modèles d'agriculture de firme qui sont plus ou moins pernicieux, mais...
Est-ce que tout compte fait, ce n'est pas une solution pour vivre bien, mais encore faut-il faire le deuil du modèle de l'agriculture familiale, et je ne suis pas sûre qu'on en soit prêt. C'est amusant parce que ça va à l'exact opposé de ce qui a été proposé hier par un des intervenants, par un membre du public. C'est de la provoque, hein. Oui, j'imagine, qui nous disait que peut-être qu'il fallait renationaliser l'agriculture, grosso modo. C'est une crainte ou pas? Quelqu'un veut répondre, Hervé, j'imagine. Ces différentes formes d'agriculture, alors effectivement, partout où les terres sont bonnes, facilement mécanisables et surtout facilement robotisables, hein, c'est ces formes d'agriculture qui vont émerger chez nous y compris. Hein. Elles sont déjà partiellement actives. Hein, on a des tracteurs qui sont pilotés par satellite. Enfin, voilà. On en est là. Mais cette agriculture-là ne fait pas des paysages, elle ne fait pas vivre des territoires, elle fait vivre une forme d'économie particulière, mais des déserts humains. Voilà. Et c'est ça qui est triste, finalement, et qui fait que ces formes d'agriculture ne seront pas durables, parce qu'elles ne font pas durer l'humanité, tout simplement. Elles font durer des formes d'organisation sociale qui sont... Mais quand on est inscrit dans un territoire, bon, certes, on peut avoir envie de participer à ça, parce que hein, c'est un peu cette idée de l'agrandissement. Au moment où on s'agrandit, on a l'impression qu'on grandit. Hein, jusqu'au jour où on se fait absorber par celui qui est à côté. Et plus on s'agrandit, moins il y a de place pour des gens pour s'agrandir. Hein, c'est notre terre, aujourd'hui, arriver à ses limites en termes de taille. Hein. On sait déjà qu'un Français, il aurait besoin de 2,7 planètes pour vivre. Hein. On ne pourra pas aller indéfiniment dans ces voies d'agrandissement qui ne sont juste pas tenables, pas durables pour les humains. Elles sont durables pour les méta-organismes économiques et sociaux qui quelquefois, je me demande si on les maîtrise encore, hein, quand on voit comment fonctionnent les trucs financiers, tout ça. Hein. J'ai pas l'impression que l'humain maîtrise encore ces choses-là et qu'on est en train de rentrer dans des formes de logique qui ne laissent plus suffisamment de place à l'humanité, tout simplement, et bien sûr, encore moins à la nature. Merci, Hervé. Il y avait une autre question encore. Oui. Il y a même une présidente du syndicat agricole majoritaire qui disait on a moins besoin de terres aujourd'hui que de voisins. Mais dans le passé, j'ai eu à rencontrer des agriculteurs, y compris d'ailleurs des responsables professionnels agricoles. Et ils avaient fini de rembourser leurs emprunts jeunes agriculteurs, qui à l'époque duraient 9 ans. Ça a peut-être été un peu prolongé, c'est peut-être 12 ans. Mais alors, dès qu'ils avaient fini de rembourser leurs emprunts jeunes agriculteurs, ils se trouvaient avec une trésorerie généralement meilleure. Ils avaient un équipement qui était bon. Ils avaient même une moisse-batte avec laquelle ils pourraient cultiver plus, récolter plus de surface et des gros tracteurs. Si bien que quand une terre devait se libérer ou se vendre, ils disaient « Oh bah, ça m'intéresse, parce que là j'ai les moyens, je pourrais même la payer plus cher. » Et bah oui, vous comprenez, c'est des terres qui me touchent. Je suis voisin, complètement voisin. Et puis celui qui est de l'autre côté, c'est un bricoleur. Ces terres sont sales. Alors... c'est pas à lui qu'il faut qu'elles aillent. D'ailleurs, il n'a pas les moyens. Je vais pouvoir surenchérir si c'est vendu. Et puis, si c'est de la cession, je mettrai le paquet. Non. Et puis, c'est pas pour moi. C'est pour mes enfants, vous comprenez. Moi, si avec moi. Mais j'ai des enfants. Il faut quand même que leur avenir soit assuré. Ah oui. Et puis, qu'est-ce que j'avais noté encore oui, c'est tout, enfin, comme argument. C'est tout. Mais c'est ce qui justifie que, même s'il s'agit d'un hectare, eh ben vous ne l'aurez pas. Vous ne l'aurez pas. Et même s'il s'agit de 2 hectares, le monsieur là-haut, il ne l'aura pas non plus. Alors, je m'interroge, c'est sans doute un vieux comportement chez les agriculteurs, et même chez certains responsables professionnels agricoles. Mais c'est un comportement certainement du passé, aujourd'hui, parce que ça fait 25 ans que j'ai entendu à chaque session de chambre d'agriculture qu'on allait privilégier la première installation. Mais, de fait, le comportement viscéral des agriculteurs en place, dès qu'ils ont un peu les moyens,
c'est de tirer un trait sur tout le reste. Merci pour cette observation. Ce comportement existe-t-il toujours ? La PAC, elle a un impact. La PAC, elle repose sur des sur des ailes. Sur les surfaces, c'est pas la nature surface. Dans ce système-là, bien évidemment, plus on aura d'air et plus on aura d'être. Sans compter un autre aspect plus ancien, dont je crois que j'ai déjà parlé hier, je ne sais plus si c'était en public ou en off, mais qui est qu'en fait la liberté des agriculteurs repose sur leur puissance et sur leur robustesse économique. Et enfin, c'est quand même très récent qu'un agriculteur soit libre. Ça date de la Révolution française, à peu près, grosso modo. Et libre comment ? Enfin, qui possède la terre aujourd'hui ? Le plus gros propriétaire foncier, je crois que c'est toujours le Crédit Agricole. Ça veut quand même dire quelque chose, ce n'est pas rien. C'est le prince de Monaco, peut-être. Ouais, c'est... Oui, oui, c'est ça. Et le fait est qu'il n'y a pas de réponse simple à tout ça, effectivement. Et ceux qui ont survécu sont ceux qui étaient les plus robustes et qui ont quelque part un peu imposé leurs règles parce que c'est comme ça qu'ils ont réussi à tenir. Donc il y a aussi tout le syndrome Jean de Florette qu'il ne faut pas négliger. Avec, tu en parlais extrêmement bien hier, François, quand tu disais je suis arrivé, les petites étoiles dans les yeux, ça va être génial, ça va être super. Puis la réalité du terrain, c'est au secours, quoi. Et on se fait bouffer. Ce qui nous reste quand on est des tout petits comme ça, avec des cultures qui sont méconnues, ce qui était tout à fait judicieusement indiqué là, nos cultures sont méconnues. Moi, quand je me suis adressé pour mon exploitation agricole, qui est un peu particulière, une pépinière de plantes aquatiques, vous imaginez bien qu'ils n'ont pas vu ça tous les jours dans l'Yonne, c'était la première. La MSA, la Mutualité Sociale Agricole, ne savait pas comment m'assurer. La Chambre d'Agriculture ne savait pas comment considérer ma production, ne savait pas comment je devais me déclarer pour me faire rémunérer. C'était une inconnue totale. Donc l'idée que je puisse me pérenniser et m'agrandir, ça les arrangeait carrément pas. Soyons clairs. Donc tout ça, ce sont des questions qui méritent d'être débattues et on n'aura pas la réponse aujourd'hui, en fait. Donc tu voulais dire une dernière chose, Pierre-Louis ? Partons sur le Pierre-Louis. Non, mais ça fait vachement écho à la démarche rare dont je parlais tout à l'heure. L'expérience que tu as vécue, l'expérience que François a vécue, l'expérience que vous partagez aussi, c'est lorsqu'on est sur un projet qui est atypique, sur une activité qui ne rentre pas seulement dans une case, mais qui va venir soit toutes les cocher, soit qui ne va pas être purement agricole, on est sur une sorte d'incompréhension générale et justement sur une incapacité pour un interlocuteur unique de répondre à toutes ces questions-là et de pouvoir accompagner vraiment. Et donc, c'est, en effet, on n'aura pas de réponse aujourd'hui à toutes ces choses-là. Mais l'idée, c'est justement de se dire comment est-ce qu'on se réunit autour de la table et comment est-ce qu'on travaille ensemble ces questions-là, quitte à avoir des réflexions pour réfléchir à de nouveaux statuts, quitte à avoir une réflexion pour, voilà, pour les statuts sociaux, etc. Et donc, je vais vendre un petit peu la démarche rare, mais en tout cas, voilà, c'est des questions qui sont pertinentes à se poser pour sortir chacun de sa culture et créer de la culture commune, justement, pour qu'on puisse travailler ensemble. Mais donc, voilà, c'est des choses qu'on va avoir dans le cadre de cette démarche rare, justement. Et donc, vos expériences, typiquement, seraient ultra intéressantes pour nourrir les différentes réflexions. Donc, voilà. Eh bien, merci. Alors, on va... une toute dernière réponse, si ça peut aller au milieu, voilà. Cela sera la toute dernière intervention. On essaiera d'y répondre, à moins que ce soit juste une assertion. Et après, on fera une petite pause avant d'attaquer la dernière table ronde. Oui, c'est pas une question, c'est plus quelques éléments de réflexion. Voilà, Damien Breuilletel, moi, je suis agriculteur aussi et président du syndicat majoritaire qui a été évoqué. Alors, évidemment, je ne pourrais pas répondre sur tout ce qui a été évoqué sur les prix de cession, qui sont effectivement une grosse difficulté pour installer des jeunes. Effectivement, aujourd'hui, pour s'installer en agriculture, globalement, il faut des moyens financiers. Et ce qu'on constate, parce qu'en agriculture, il y a assez peu de faillites, finalement. Et on l'a vu, d'ailleurs, par le film hier soir, que même quand il y a des difficultés, l'agriculteur trouve toujours un peu les ressources en serrant la ceinture, et en essayant de passer les caps et puis en se disant ça ira mieux et j'arriverai à produire mieux après. Voilà. Et ce qui fait que comme on a du mal
à vivre de notre métier malgré tout dans certains systèmes et qu'il faut cet apport financier dès le départ quasiment. Les banques qui financent les installations font forcément confiance beaucoup plus facilement à quelqu'un qui est déjà installé, qui a déjà du foncier, qui a déjà du matériel, etc. Parce que dans tous les projets qu'on peut appeler alternatifs, qui ne sont pas dans le système classique, il faut miser sur l'humain, sur l'homme. C'est l'homme qui va faire le projet, qui va faire que ça va marcher ou que ça ne va pas marcher. Et en agriculture, on a vu même dans des grandes cultures, même dans des belles exploitations, où un agriculteur a bien développé son exploitation, il la transmet, le jeune qui reprend, il a tout pour réussir. Et puis au final, le bonhomme, des fois, il n'a pas toujours la capacité à faire fructifier ce qu'on lui a donné. Et puis il y a des fermes qui se cassent la gueule alors qu'il y avait tout pour réussir. Et puis d'autres qui partent de zéro, qui partent de rien, mais avec la niaque, avec des compétences, et on y arrive. Mais comment miser, comment on fait le choix de miser sur l'un ou sur l'autre et cet aspect-là humain, il est excessivement compliqué. Et l'aspect financier, évidemment. Je suis désolé, mais on est dans une société où chacun veut toujours gagner plus et s'agrandir. Et cette logique-là, elle a des limites, malgré tout. En grande culture, je le conçois, on peut toujours s'agrandir. On a la mécanisation qui fait qu'on... la mécanisation se développe tellement qu'on pourra toujours cultiver. D'ailleurs, il y a certains pays où une ferme peut cultiver 10 000, 30 000 hectares. Ce n'est pas un problème, on peut le faire. En élevage, c'est déjà plus compliqué. Parce qu'il faut être tous les jours dans son élevage, sentir les choses. Il y a une partie sensibilité qui fait... Et qu'on ne peut pas multiplier, on ne peut pas mettre... Les fermes des 1000 vaches en France, il n'y en a pas, hein, clairement. Et quand on veut passer le cap des 100 vaches, ça devient difficile quand même. Donc il y a des limites aussi au système et malgré tout l'agriculture aujourd'hui se diversifie de plus en plus et je crois qu'il y a de la place aussi pour des modèles nouveaux parce qu'il y a aussi cette demande du consommateur d'avoir du local, de retrouver du lien et je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on aille aussi aujourd'hui. Merci pour cette intervention. Une toute petite conclusion puisqu'on parle de l'humain et la conclusion sera apportée par Eric qui a un appel à lancer. Oui, c'est une petite annonce. J'ai oublié de préciser sur notre la soirée transmission qui est prévue à Béon le 24 mars. La salle des fêtes de Béon. Si vous connaissez des cédants déjà qui envisagent de céder, qui pensent simplement, qui ont l'idée, c'est une soirée pour dialoguer. Il n'y a pas de c'est pas sectaire. On ne va pas orienter. Vers tel ou tel projet, pas du tout. C'est juste pour se rencontrer, pour dialoguer, on a une idée, on peut venir à la soirée transmission, ça n'engage à rien, on ne poussera pas les personnes à témoigner. Par contre, on cherche un vrai témoin, et là c'est la perle rare, quelqu'un qui aurait cédé sa ferme, qui l'aurait fait déjà, à quelqu'un qui ne serait pas de sa famille, hors cadre familial. Et là on a beaucoup de mal à trouver. Voilà, donc si vous entendez parler de quelqu'un et qui voudrait bien venir témoigner, la soirée du 24 mars sera le bienvenu. Merci Eric. Donc merci à tous. On fait une petite pause de 5-10 minutes et on reprend pour la dernière table ronde en espérant que ça vous a plu, cette-ci au moins.